Bonjour mes amis, comment allez-vous aujourd'hui? Bien, bonjour. J'espère que vous allez bien. Ouais. Et ben, on va essayer de bombarder la fin de Jedi Fallen Order pour enchaîner sur Soul Calibur. Ouais, parce qu'on l'a dès déjà, lundi, mais on n'est pas trop dans le timing en ce moment, hein, on fait vraiment de la merde. Mais on s'en fout, on est là et on finit la fin. Allez. Nickel. Magnifique. On n'est pas encore à la fin. Bah non, on en est loin en fait, alors on espère, bon voilà, mais c'est... On va dire que là, c'est un petit peu tendu. Un peu. Un peu beaucoup. Oui, c'est ça, voilà, on était sur Zepho, il fallait, on avait confronté la deuxième sœur, c'était Cyrilla, Trilla, pas Cyrilla, Cyrilla c'est dans une autre série, c'est dans... donc c'était Trilla, oui, et la Padawan de série. C'est compliqué. On va y arriver. Et du coup, là on allait au temple. Voilà. C'était juste derrière. En vrai, on a continué un tout petit peu le chemin. On a combattu ici la meuf. Et tout ça, on a appris que Cyril l'a abandonné. Machin vite chouette. Non, elle a donné sa position après avoir été torturée. En gros, elle a donné la position de la gamine ou je sais plus quoi. Ouais, en gros, enfin, elle l'a balancée quoi. Ouais, voilà, ouais, tout simplement. Bon allez, on trace. Ouais, bah doucement. Attends, attends, on trace. C'est par où déjà? C'est par là, ça je sais. C'est par où? C'est comment? On fait quoi? Mais c'est juste doucement. Doucement. Oui. Allons-y. Let's go. On l'a trouvé. Il a l'air différent de l'autre tombeau. J'en sais rien. Mais ça me plaît pas. J'ai un surplus d'énergie. Ah oui, je te jure. Voilà. Ok. J'ai failli faire... J'ai cru que t'allais courir, moi, en fait, au départ. Je l'ai trouvé. On s'en était un mais peu... Mais je me disais, mais il va atterrir c'est où, vrai. Le con, s'il n'y a pas d'autre... Tu vois, pourquoi super... tu m'as rien dit? Parce que c'est une menteuse. Oh, bah, toi. Trilla. Comment? J'ai détourné vos communications dès l'instant où tu as essayé de la contacter. Le piratage de transmission codée a toujours été un de ses passe-temps préférés. Elle m'a montré comment faire. Il n'y a pas une seule technique de serré que je n'ai pas perfectionnée. Elle veut sa vengeance, quoi. Ouais, bah oui. Puis je la comprends, en vrai. Hein. Dans le sens, moi, serré, ça dégomme, quoi. La meuf, elle t'a abandonné. Même si, ok, elle a été torturée, quoi. Mais en tant que Jedi, normalement, tu es prêt à mourir pour ton Padawan. Ouais. Par chevalier déjà parce que donc ouais là c'est juste une marche là. Mais t'aurais dû le laisser se faire non, tuer non pas, mais non 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 parce qu'il me vise moi allez ouais. Aïe. Ça va, il reste pas grand chose. Parce que tu crèves alors que. Oui. Tu vas crever, oui. Mais je te jure. Merde. Après, je devrais peut-être des fois juste combattre avec le sabre laser basique. Je fais peut-être plus de dégâts. T'es plus fluide peut-être, tu vois, plus agile. Non, à la base, je suis plus agile avec celui-là. T'es plus dans la mobilité ou quoi. Je pense que c'est plus pratique quand il y a de grands nombres d'ennemis, tu vois. Quand il y a un mec solo, je devrais utiliser ça. Il y a quelqu'un à gauche. Hein? Là-bas à gauche. Non, c'est un truc Alors, attends, là, j'ai un... Faut une boule. Oh. Là-haut. Oh, ouais, c'est chiant, ça. Je m'en souviens. Oh, tout est toujours chiant dans les jeux comme ça, de toute façon. L'araignée ou mal à con là. C'est surtout qu'il y a d'autres mecs. Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Oh putain, c'est chiant. Ouais, franchement, il y a un coffre, je vais pas me faire chier à l'avoir. Je te préviens tout de suite. Ok. Mon ami, il semble que ces appareils simulent la gravité de la planète. Je peux m'empêcher d'y voir un motif. Tu vois, en fait, parce qu'en fait, normalement, tu peux les. Tu vas devoir les prendre à un moment donné et puis. En jeter un endroit particulier pour cramer une certaine fleur. Ça, tu vois, les ronces ou quoi, pour pouvoir passer, si tu veux le coffre ou quoi que ce soit. En vrai, ça se trouve, c'est super simple, où il y a un chemin plus simple, mais moi, je me suis toujours cassé les couilles à chaque fois pour le choper. Et du coup.
Tu n'as plus beaucoup de temps. De temps pour quoi ? Mes éclaireurs ont découvert un artefact intéressant au fond de ce tombeau. Je l'étudie en ce moment même. Il m'apprend ses secrets. On dirait que Cordova les aimait bien, ces effaux. Peut-être au point de cacher l'holochrome parmi leurs dépouilles. Ouais, c'est ce qu'on va voir. Ça met nous, là. Il y a un gros robot et des Stormtroopers. Ouais, j'ai vu ça. D'accord. Elle était pas mal. Ah bah y a un coffre derrière. Ouais. Je prends ce truc là. À chaque fois, au lieu de faire une roulade vers l'arrière, je fais une roulade vers l'avant. On va lui péter sa gueule dans quelques minutes. Voilà. On prend tout. Il faut. Une relique des effaux. Je ressens une grande vanité et de l'extravagance dans cette période de leur histoire. Okay. Ah, il y avait quelque chose là-dedans. Nouvelle peinture pour le Mantis. Matière grise. Bon, bah, on repart. Il y a du mouvement au dessus. Salut les gars! Comment vous allez? T'arrives à le toucher? Non. Je vais la placer! Pas trop. Ouvrez le feu! Et je plaf! On devrait le poursuivre! Bah, poursuivez-le. Vas-y, pourquoi ils font pas d'auto-dégâts? On se concentre! Mais lui, il nous fait chier là-bas, le connard. Ouais. C'est bon. C'est bon. Tu peux pas m'échapper. Bah. Il en reste un. Il y en a un qui est tombé ou... Ouais, tout à l'heure, t'en as poussé un dans le. Ouais, mais il est mort. Tu crois? Bah oui. Oh. Non, mais ça se trouve, il y en a un autre. Bon, je sais pas. Oh, t'inquiète pas. Qu'est-ce que ça fait, ça? Voilà. On va y arriver. J'aime pas, il y a le robot. Il va pas se réveiller. Bizarre qu'il se réveille pas ce coup. Voilà, là il se réveille. C'est quoi sa portée de dingue de ça là? Lance un steam! Attention, en gros, tu vas passer 3-4 minutes. On peut pas en fait, j'ai essayé de le propulser, il veut pas, il est trop lourd. Bim! Bon, je peux faire repop ici. Dans ta gueule. Et je vais juste méditer. Sans fin. Ça c'est marrant le truc, parce que du coup tu peux les refaire. Ouais, là je peux le faire revenir pour recombattre. On continue pour prendre dans l'XP et... Bah, j'ai que 2 steam, donc pour l'instant on va juste voir, mais si c'est chaud je reviendrai. De toute façon vu qu'il attaque pas quand t'es là, au pire des cas je passerai juste prendre les steam. On va continuer d'avancer un peu. On réussira jamais à passer ce gouffre. On fait demi-tour et on prévient les squads. Attention. Tu vois, j'ai bien fait de te dire de jeter. Tu vois, ça c'est un des coffres qui est chiant parce qu'il faut amener la bouboule je sais plus où d'où pour le faire éclater. Ouais, nique sa mère. Sauf que là on est encore dans la merde.
Sauf que c'est le chemin. Mais non, à gauche, y a pas des marches. Je sais pas. Là, qui descend. Oui, c'est bon. Putain, heureusement que t'as capté. Je sais pas, on les voit depuis tout à l'heure. Voyez lui, vas-y. Vas-y. Un, deux... Tout de suite. Pourquoi il a crié tout de suite? Ses dernières paroles. Tout de suite. Tout de suite. Effectivement, tout de suite, mon pote. C'est pas du progressif. Non, mais ouais, ouais. Est-ce que j'aurais pas dû me reposer avant? De Steam, en vrai, de Steam, ça peut le faire. Si je meurs, je réapparais au feu, au checkpoint. Qu'il y a et on aura juste à les rebalourder, ouais. Ces connards. C'est ça. Et bien, au moins, j'aurais récupéré tous mes Steam aussi. Donc, en vrai. Oui. Ça le fait. Tu sais ce que je veux? Du poulet, s'il te plaît. Du poulet, j'ai peur. Non, mais putain. Faut pas faire ça. Tu sais, quand j'ai faim, je suis comme ça. Oui, mais là, quand même. Tu peux faire ça. J'y vais. Tu as peur de ma faim. Du poulet. On veut du poulet. Je mets pas pause au live, hein. Non, le temps d'aller chercher du poulet, que ça y est. Mais t'as intérêt de faire vite. Fais vite. Chez mon estomac, il crie famine. Famine. J'ai faim. En plus, dans une belle boîte et tout. Franchement, le collègue, là, il nous a régalé. Ouais, mais carrément. Mais t'as peut-être pas pris... J'ai croqué dans le direct, moi. C'est sans pitié, quoi. La meuf, elle va... Elle crève le jour de son anniversaire, étouffée par un os. Voilà. Mais je te jure, j'ai tellement hâte de jouer au 2. Moi, le problème, c'est que j'ai déjà fini le 1. Bah, ouais, non. Moi. Donc, obligatoirement, c'est pour ça, dans tous les cas, on fait le 1 avant de finir, avant de commencer le 2, quoi. Mais le 2, il a l'air tellement épique. Donc, Et j'aime bien parce que Cal, il est vachement plus mature dans le 2. Déjà, il est plus âgé et tout ça, tu vois, donc ça se trouve, tu vois, même son appréhension du combat ou comment qu'il va combattre ou quoi, ou même le personnage dans le jeu, peut-être comment qu'il va agir, sera plus mature, tu vois, plus brut ou quoi que ce soit, et ça, c'est nickel. Et j'ai vu que vous pouvez avoir le sabre laser de Kylo Ren, qui fait des mouvements en large et lourd comme dans... Tu vois, non, franchement, j'ai trop hâte d'un que d'avoir ce sabre laser-là. Enfin, voilà, quoi, non, franchement, c'est, ça a l'air d'être épique. Moi, pour l'instant... Déjà, là, il nous manque encore toute une ligne de compétences, ici. Mm. Parce qu'on peut avoir un sabre laser normal, double, et un dans chaque main. Ce qui te permet d'être encore plus mobile, normalement, si je me trompe pas. T'avais aussi les deux sabres, logiquement, dans celui-là. Mais en vrai, je suis pas sûr, tu vois, je me mets le doute. Parce que je sais que maintenant, tu l'as dans le 2, mais je crois que dans le 1 aussi, tu l'avais. Et là, ça se trouve, tu dis de la grosse connerie. Non, parce que normalement, tu vois encore... Normalement, en fait, à un moment donné, tu vas sur une planète où il y a que de la glace. Et tu vas dans un truc et en fait t'améliores le sabre. Et à cet endroit, à ce moment-là, t'améliores encore une fois le sabre et t'as une vision avec le maître, son maître Jedi, là je sais plus son nom, et Jar Otabal. Et au final, du coup, tu débloques une nouvelle amélioration pour le sabre. C'est pour ça que même moi je me souvenais pas que le double lame tu le débloquais sur Datomir. Je croyais qu'on le débloquait à un autre endroit, tu vois. Et en fait, le double c'était sur Datomir. Et le 1 dans chaque main c'est sur une autre planète. Attends, vite fait, je m'assors, elle m'appelle, tu peux mettre pause. Jérémy. Ouais, bah oui. Juste que c'est une sale gosse. J'ai une petite soeur, c'est une sale gosse. T'appelles, normal, en plein live, elle en a un. Ah bah après, c'est pas que t'es en live. Laisse tomber. Bouffe, vas-y, c'est très bien. Laisse tomber, Mélissa, n'écoute pas ce qu'elle dit. Mais je l'aime quand même, quoi, c'est le sang. Ah bah ça. Comme elle m'a dit au téléphone. Qu'est-ce que ça fait là? En vrai, ok. Et là, tu te mets bien entre les trucs, comment? Ouais, non, mais laisse, tu sais, tiens. Bon, bah, je voulais faire éclater le truc avec. Il y avait rien par là-bas. De toute façon, je peux pas y aller. Attends, je me fais pas encore les grands sauts. Non, mais puis je me suis pas reposé. Attention, je me sens pas prêt. Ah bon? Non. Non. Pourquoi il est pas mort? Parce que c'est un capitaine. Mm. Et lui il faut 3 balles. Le capitaine. Bah ouais. Pourquoi en fait j'ai les deux lames là? Normalement j'ai qu'une seule. Oh, j'aime bien jouer à deux lames. Enfin double lame. Oula, j'ai failli tomber dans le vide. Ah ouais, c'est carrément bourratif. Hein. Ouais, t'as vu? Ah non, mais je te dis, moi c'est pour ça. Ouais, c'est moi, bon, c'est... J'ai plus faim après, là. Mais on met, mais n'empêche, ça cale de fou. Moi je sais qu'après je vais reprendre un petit Ender sous quoi, tu vois. Ouais, oh, y'a un pur trooper. Il est où? Hein? C'est pire que ça. Oh putain.
J'ai pas fouillé de style. Eh bah allez, let's go. Ce qui est bien, c'est que c'est pas un jeu multi. S'il y a une couille, on peut mettre pause et reprendre à l'instant T. Et bien c'est reparti, mon voilà, kiki. Voilà, en espérant que ça remerde pas. Oula, attends. Oulala. Oulala, débit, c'est en mode... PLS, problème de connexion. Nous résolvons les problèmes avant de reprendre la route. Voilà. Pour l'instant, on est accroché à un mur, à des lianes, comme des cons. Oh bah, pour l'instant... Et on patiente. Oh bah, pour le plus, il y a une personne qui nous regarde. Bah plus. Oui, eh, c'est ça. On est désolé pour le coup. Ah bah, t'es parti. Il l'a fait fuir. Eh bah, salut mon ami. Bah, en fait, voilà. on va continuer comme ça. De toute façon, là, j'ai fait ce que j'ai pu. T'as fait ce que t'as pu? Bah ouais, t'as vérifié derrière la console si le câble était bien. Oui, j'ai fait celui-là en premier, ensuite j'ai fait dans la salle, j'ai regardé tous les autres câbles. Mais je te fais confiance. Eh bah, ben écoute, on va repartir, hein, puis on verra. De toute façon, bien, si ça ressaute... On le voit, et on veille à ce que tout aille bien. Voilà, et au pire des cas, je rebooterai la console comme j'ai fait l'autre soir, et ça reprendra exactement là où est-ce qu'on avait, au pire des cas, au point de checkpoint de sauvegarde, on aura juste à faire le petit chemin. Aussi, on peut aller jusqu'au prochain. Là, oui, voilà, quoi, tu vois. Déjà, on sait qu'il y a un Purge Trooper en haut. En plus, ça arrive au moment où il y a le Purge Trooper, quoi, comme de par hasard. Mais franchement, qu'est-ce qu'on a la poisse, quoi. Je te jure. Allez, go. Ah ouais, il est là. Ok, il est magnifique. Si je vous devais passer sans combattre. Ah, je peux pas, parce qu'il faut que je réactive les trucs pour qu'ils reviennent là, pour que je passe... Ah oui, moi aussi. Tu me paieras ça. Mais pourquoi donc? Allez, salut mon pote. Voilà, il est mort. Alors. Ça, c'est notre rituel à nous pour niquer les Purge Troopers. Comment on fait? On fonce à coup de je te jette dans l'auberge du. Mais ouais, non, mais complètement. Et c'est parfait. Et c'est parfait. La digestion est terrible. Bon, on active le but. Je m'en fous. Attends, ici on n'y est pas passé. Non, je crois pas. Je crois. Si, bah si, parce qu'on a fait tout le tour comme ça. Exact, si, je crois qu'on est en fait. Non, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, hein. En fait, le seul truc que je me dis des fois là, c'est qu'en fait, ça va être un peu plus. Là, tu vois, le fait qu'on ait pas une parfaite connexion, ça va être un peu plus en décalé. Le live, tu vois. Ouais, bah si c'est que ça encore, ça va. Normalement, ouais. Mais pour l'instant, je regarde l'image et tout, il y a tout ce qu'il faut, j'ai réactivé le micro. Je sais, je surveille en même temps. Donc, Jedi. Ta gueule, toi. Dégage. Trooper. Couler. Pauvre merde. Oh. Ah, si possible. Possible. Effectivement. Je t'ai dit, on prend ce qui est sur la route. C'est bon, la connexion est redevenue parfaitement stable. Magnifique. Il fallait juste être patient. Ouais, c'est ça, mais c'est les bugs de connexion. Non, mais ils devaient être en train de faire des travaux, ils devaient connecter quelqu'un, quoi. Je dois perdre 2 kilos au final. Oui, mais ça, alors non, il y a que le seul truc qui est pas bon là, c'est la friture, donc la chapelure. Le poulet, c'est très bon, sachant qu'après derrière, tu vas partir, enfin, tu pars à pied, en bus, tout ça. Donc en vrai, crois-moi bien, c'est pas ce que tu manges là qui va. Si je fais... Ah oui, zoom. Attends. J'ai compris. Attention. T'es prêt? Bonjour. Ok. Genre, ça y était tout doucement. Bah oui. Mais c'est nul. Et là, c'est... Ah oui, bah non, bah là, t'as juste à descendre et puis c'est bon. Regarde, en montant là-haut, je vais regarder s'il y avait un truc. Là. Il y avait rien, t'as vu même magnifique, pas de coffre, on y aurait été pour rien. Voilà. Oh, y'a un mec en slam. Il faut que je le bute. C'est lui qu'il faut que je bute. Voilà, crame le petit machin. Les couilles, parce que j'ai pas de Steam Pack, j'en ai plus que deux. Hop, on enchaîne. Bim bam boum, on aura des bras d'eau. Allez, go!
veux, le machin, là. Je ne sais pas ce que c'est, la gueule dans le trou, mais en fait, l'enculé, il saute. On lui coupe la corde. Dans le design, en fait, ça aurait été sympa que tu... Voilà, tu fasses cette action-là, ouais. Au moment où je dis... Oui, je sais, mais t'étais trop rapide. Non, je veux pas le savoir. Ça s'appelle la synchronisation. Imagine les artefacts que l'Empire aurait manqué sans ton intervention sur cette misérable planète. Est-ce que ça en valait la peine? Il paraît que le projet Foreuse vous a coûté cher. Des Stormtroopers et des ouvriers, rien d'irremplaçable. Tu es un monstre. Mais non, elle est juste là. A fait de moi. Ah, j'ai débloqué un raccourci. Bon, et puis, c'est pas... elle a pas tort. Elle est ce qu'elle a fait d'elle. Oui, mais puis, imaginons, tu perds quelques ouvriers et quelques Stormtroopers. Qu'est-ce que t'en as à branler? C'est rien. Attends, il y avait pas le point de sauvegarde? En plus, maintenant, je peux remonter par là. Et je vais régénérer mes steampacks à la fonction. N'empêche, je t'en ai toujours à deux. Hein. Ouais, bah ouais, mais j'en ai pas utilisé. Le Purge Trooper, j'ai réussi à le dégager. C'était le seul qui aurait pu me mettre dans le mal. Potentiellement, ouais, ouais. Hop. Allez. Non, mais c'est pour aller de l'autre côté. Il y a du monde au-dessus. Ah bah oui, les Stormtroopers, ils ont repop. Pour l'instant, on peut pas encore casser ça. Parce qu'à terme, il nous faut juste la grosse boule. Je sais. Oh, je prendrai ta vie. Ah bah le robot là. C'est pas le même. Ouais, je sais, je tu fuis encore. Et il a réussi à mettre dans le mal le Purge Trooper quand même. Casse-toi, le rat. Bah. Mais attends, tu me crois que le rat, il l'a vraiment mis tellement dans le mal? Il est tombé et je l'ai tué en un coup de sabre. Parce qu'il avait plus de défense. Oh, parce qu'il avait déjà bien un peu allumé la gueule. Ouais, mais, deux fois, mais franchement... Eh, mais putain... Merci, les rats. Ça, ce serait potentiellement moins bien passé. Bon, bah lui, en gros, il repopera aussi. Oh, merde, putain. Ouais, j'ai eu peur aussi là. C'était quoi cette action? C'était de la merde. Attends, m'appelle. J'avais dit, tu m'envoies un message, pas tu m'appelles. Ok, c'est bon. Il arrive. Et on est de retour avec un micro qui fonctionne. T'en es bon? Ouais, c'est bon, t'inquiète, je réponds à mon collègue, donc tu vois, mon autre collègue, ancien ex-collègue. Oui, ok. Tu vois. Caca. Je vais rapporter l'artefact à mon vaisseau pour l'analyser. Oh non, dommage que elle tu sois partie avec. Peu importe ce que tu as volé, tu ne le comprendras jamais. Mais toi, oui. Tu le sauras bien assez tôt. Je vais prendre le risque. Je t'aime bien, moi. Mais c'est toujours pas le truc... Mais bientôt, moi, je vais le voir. Moi, c'est son arrogance. Ouais. Ah, mais non, mais puis elle peut croire en elle, hein, parce qu'elle a des capacités, quoi, tu vois, c'est pas... Les capacités sont récompensées. Dans l'Empire, ouais. Et là, tu crèves. Ah, quelle capacité. Bah, c'est le cas où t'es fort, où t'es doué et que tu gênes pas les personnes au-dessus de toi, et bah, t'auras une bonne place dans l'Empire. Imaginons, tu fais partie des Inquisiteurs. T'es sous les ordres de Vador. Tant que tu vas pas faire chier Vador ou que tu fais pas de la merde, que tu agis bien tes missions comme il faut et que tu restes droit... T'as hésité à sauter. Hein. Ouais, ouais. Et que tu restes droit, et bah, au final, t'auras ça une très bonne place. Tu tombes dans le vide. Mais pourquoi? C'est pas marrant en vrai. Mais si, c'est drôle. Je suis mort trop de fois avant tout le monde. Et... Chac! Arrête. Non, je dirais alors que c'est trop tôt. Allez, mon ami.
pas de... Ah, d'accord. Ah, d'accord. Non, ça, voilà. Ah, jamais, j'allais dire, il fait quoi, là? Là, il va t'écraser. Non, c'est bon. On va les arrêter. Nous allons tous les capturer. Je trouvais que ça allait bien avec ta phrase. On va les arrêter. Remets-toi-en. Hein. Oui, non, t'inquiète, ça va. Ça devrait aller. Ouais. Je devrais m'en sortir. Ok. Un petit feu. C'est pas un feu. Oui, mais c'est pareil. C'est pas un feu. C'est pas des flammes. Bon, on se repose, de toute façon. C'est un point de force. C'est un checkpoint. Un checkpoint. Ouais, c'est ça. Un point de check. On peut pas sauter par là. Non. Ils ne nous ont pas vus. Oh. Reste sur tes gardes. Ils ne nous ont pas vus. Nous sommes tellement discrets. Non mais tu comprends pas, c'est la force. Encore, contre des sites, tu peux te dissimuler grâce à la force. Mais les gens, s'ils te voient, ils te voient, quoi. Mais non, c'est la force, elle te cache. Ah ouais. C'est caché. J'ai remarqué quelque chose en examinant ce sarcophage. Genre là, ils t'ont pas capté. Il est plutôt pratique si on a besoin de se débarrasser d'un indésirable. Tu m'as attiré ici. C'était ton plan depuis le départ? Tu n'es vraiment bon qu'à trier la ferraille. Connard. T'as capté, genre. Ta gueule. Non, finissons-en. Tu finiras par baisser ta garde. Tremble. Je vais te voir faire mieux que ça. Oh bah tu vas voir, enculé. Voilà. Ne laissez pas s'enfuir. Mort au Jedi. Mort. Aïe. Ouais. Tu vas tomber avec le sarcophage. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas te faire enterrer vivant, tu perds ton sabre la laser. Mais vas-y, c'est pas la panique. Ah, le pouvoir d'attraction. On va le débloquer maintenant. Non! Mon sable laser! Voilà. Voilà. Où est la force? Dans ton cul! Elle est partout. Elle est en moi et autour de moi. C'est exact. Pour moi. Il peut arriver que tes émotions, ta peur ou ta fatigue te trompent. Tu te sentiras seul, isolé. Ce n'est qu'une illusion. Ton sabre laser est ici, hors de portée. Mm-hmm. Mais vous restez quand même connecté grâce à la force. Ressens cette énergie qui t'enveloppe et saisis-toi de ton arme. T'as envie de mettre quand même. L2. La force est en toi, autour de toi. Elle te lie à ton arme. Tu vas y arriver, calme. Ouais. Libère-toi de toute distraction. Chut. T'as vu, il a dit toute distraction. De calme. Hey, t'as vu ça? Et du coup, maintenant, la je peux faire les attractions. Elle nous connecte. Ah, l'attraction. Oui, je crois. Et voilà, et là. Youp. Maintenant, on peut faire tous les trucs comme ça. Et ça, c'est pratique. Georges. Oh merde, ouais, non, ouais. Et là, normalement, ça aurait dû foutre le feu au William. Ouais. Survécu. Ça perturbe tes plans? Heureusement, je prévois toujours une marge d'erreur. Bah du coup, voilà, maintenant il faut que je reparte tout là-bas. C'est ça. Let's go.
On va faire ça vite et bien. Oh, il y a du monde. Attends. Maintenez L2 pour attirer des petits objets ou des ennemis. Voilà, voilà. Ah, attends. Oh, je pense à un truc. En vrai, ça serait marrant. Attends. Éclat-tu. Est-ce que ça consomme des points de force Il est mort. Je pense. Salut mon frérot. Problème réglé. Merci. Allez, à toi. Bon. Ah, j'ai plus de points de force. Bah, qu'est-ce qu'a fait cette conne? Elle m'attaque ou pas? Et ouais, mais en fait... Il se demande ce qui s'est passé en fait. Ouais, en fait, le problème, c'est ça. Elle était en train d'analyser la situation. Voilà. Les gardiens des tombeaux sont vulnérables pendant leur attaque puissante. Utilisez l'attraction pour les interrompre. Ok, d'accord, c'est pratique à savoir. Oh, grand pas là. Ok, j'ai l'attraction. Mais c'est pas un pied velu. Ah, trop tard. Ok, ça a pas marché du tout. T'as mis un enchaînement de patates là. En fait, j'ai pas compris à quel moment. J'ai pas compris à quel moment je peux faire l'attraction sur lui. Parce que j'ai essayé deux fois quand il chargeait son attaque et au final, ça a pas marché. Bah non, parce que c'est ce que ça me disait là. Ouais, il te viole. Ouh. C'est ce que ça me disait la technique, c'est pour ça que je comprends pas. Enculé. En vrai, je regarde dans les astuces, tu sais, dans les trucs qu'ils disent déjà au moins pour voir comment. Comment que eux décrivaient le truc. Parce que là, j'avoue que j'ai pas compris. Mais, interagis. Voilà. Non, je sais pas. Salut la compagnitas. N'empêche, la lien était pas mal. Hein. J'aurais. Oh merde. Pas assez. Un steam BD. Là, ça va faire chier. Il est du genre rapide. J'ai plus de points de force. Merde. Tu vas crever, enculé de tes morts. Hein. Ah, ne les ferai pas. Non. Restez en mouvement. Le problème, il y a le drone derrière en plus. J'arrive pas à le toucher. Oh non. Quel un drone. Me fais pas perdre mon temps. Mais ta gueule. En fait, le problème, mon frérot, c'est qu'il n'y a pas que toi là. Il y a le machin qui me casse les couilles. Allez, viens là, toi. Eh ben putain! Un steam, non? Ah ouais, mais il m'en restera plus que deux là. Ça va, tout à l'heure t'as fait avec moi. Oui, en vrai, ça peut, ça fait. Si t'es prudent, normalement. Tu te fais pas poutrer. Non, et puis là, ça va, je suis assez. Enfin, je dis ça. Je suis assez prudent, tu vois, je fais quand même attention. J'ai failli y aller au mauvais ouais, moment. J'ai vu ça. Non, c'est pas sur moi qu'il faut que tu te fasses plus, mon frérot. Il s'est pris un chassé. Wow. Oh, il s'est fait violer. Allez, couche-le. Ah, c'est le cri de la police. Ah. Oh.
c'était nul. C'était moins nul. Mourut. Et toi? Là, c'était quoi ça? C'est lui qui meurt. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui tire. Oui, c'est les connards qui sont dessus, qui se battent contre le rat. Parce qu'en fait, le problème, c'est que il faut que je remonte. Il faut que je casse le truc. Maintenant, en fait, tu sais, je peux faire descendre la boule. Ouais. Parce que je sais plus. En fait, je sais plus si c'était où. Là. C'est là, hein? Dans le truc, là, et après... Non, je sais pas. Là. C'était pas là. La main, c'est une porte fermée. Attends. Non, moi, je viens de là. C'est là. En plus, il y a un point de repos. C'est le Jedi. Affirmatif. Oh. Je peux pas continuer le combat. Quoi? Mais non, mais c'est pas le moment de lui qui parle. Mais pourquoi je peux pas continuer le combat? Ah, je... Parce que j'étais arrivé au cac avec lui, je crois. BD, aide-moi. Et c'est pour ça qu'il est... Il est en mode... Il faut me t'aider. Ouais. Tant pis. Hop, je me reprends des Steam. Ah, nouvelle compétence disponible. On va voir ce que c'est. Oui. Ok. Ooh. Alors. On a débloqué la traction étreignante. En maintenant la traction qu'elle peut tirer et retenir la plupart des ennemis. Les ennemis lourds peuvent être déstabilisés. Ok. Les capsules de Steam rechargent totalement votre jauge de force. Pas mal ça. Mais ça coûte 3 points. Augmente le niveau de force. Ok. Ah, j'ai un lancer de sabre laser maintenant. Mais il me faut 3 points de compétence. Fou, dur. Du coup, je peux lancer mon sabre laser. Lancer le sabre laser à double lame. Ah ouais. Pareil, 2 points. Ah ouais, mais elle est pas mal l'animation. Attaque transitoire. Cal effectue une attaque spéciale lorsqu'il change de type de sabre laser. Ah ouais, quand tu peux faire bam bam bam. Tu vois, en gros, ça te permet de faire un mix entre les deux. Et ça, je crois qu'on les avait déjà vus. Supérieur. Voilà, là, ça c'est voilà. Plus de points de vie et plus de steam de vie. Ok, bah de toute façon, j'ai pas les. Je peux acheter que celui-là. L'attaque transitoire, ouais, en vrai. C'est trop bien. Ah non, je peux acheter aussi d'autres là-bas. C'était quoi? C'était pas de la force? Ah non, c'est l'attraction étreignante. En gros, maintenant, je peux garder les gens plus longtemps comme ça, tu vois, pour faire ce genre d'animation. Comme tu veux, mais moi je trouvais sympa la transition. Oui, ouais, j'aime bien aussi. Un truc totalement inutile, mais bon... Bah, ah non, c'est pas inutile. Parce que, regarde, tu vois, imaginons... Attends, regarde, on va essayer de tester sur les mecs qui vont avoir Robop juste derrière. Tu ne pas d'ici, vivant. T'es rapide, tant mieux pour toi. Ouais, c'est un enchaînement d'avant rapide. Ça permet d'enchaîner plusieurs attaques différentes, quoi, tu vois. Ouais, puis j'aime bien le style que ça donne quand tu changes de sabre, ça fait une petite attaque en plus, c'est bénef. En vrai, ça se trouve, il y avait un autre chemin plus pratique, mais je crois que c'est par là. Hein. De toute façon, vu qu'il y avait des nouveaux mobs ici, c'est que c'était le bon chemin. Ah bah ouais, il y avait pas le robot tout à l'heure. Je te laisserai pas me tuer. Je vais t'écraser le crâne. Je vais t'écraser le crâne. Ok, maintenant, allez. Wow. Là, tu fais en sorte de l'amener dans le truc, là. Et après, t'actives. Attends, mais je ne sais pas en plus. Je vais le ralentir au maximum. Ah, mais faut que je le mette face là, faut qu'il soit bien dans le truc. Voilà. Vite, 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 vite. Mais ça y a rien fait! C'est nul. T'as vu la distance que ça a? Aide-moi, s'il te plaît. Ça touche?
Dans 5 minutes, on y est encore. Bah ouais, mais c'est pas de ma faute. Hein. Non, non, c'est les robots. Putain, ils sont coulés. Ok. Comme on a dit, les coffres ou quoi, les petits trucs comme ça. Okay. Il se fait violer. Non, bah non, parce que c'est pas ça. En fait, il faut que je l'accroche. Attends, il est là-bas le truc pour accrocher. Je suis... Attends, je crois que j'en fais une connerie. Parce que. Ah oui, non, voilà, puis il y a ça aussi. Ah, mais oui, c'est vrai, c'est toute cette histoire de merde là. Moi, je suis complètement perdu. Hein. Non, mais regarde, là, il y a une racine, tu vois. Ouais. Et il faut la faire brûler. Ok. Sauf que les petites bouboules là-bas. Sont là-bas. Et ben, en fait, quand ils passent sous l'eau, ça arrête de brûler. Ah, ouais, ok. Donc, soit il faut la choper à un autre endroit, la bouboule. Mais je sais plus où est-ce que je peux en avoir une. Part en bas, là. Ouais, mais non, mais après, regarde, elle va toucher l'eau ici, elle va s'étendre. Hein, tu vois, c'est ça, en fait, le truc. Et si au cas où là, je pousse, mais en haut, ça coupe la corde. Ouais. Ah bah oui, c'est vrai, il faut d'abord que j'étais. Ah mais non, c'est bon. C'est moi. Je dis de la merde. Attends. Si je me trompe pas, le couloir là-bas, c'est ça. Ça. Ok, on va voir ce truc qui est plusieurs. Ok, vous. Il est moins haute. Ok. Donc déjà, on va brûler cette merde et on va voir ce que ça dit après. Ok. Ça, ça fait pas. Ok. Bah, c'est nickel. En vrai, on pourrait aller chercher les coffres, mais on s'en fout, hein, on avance, non? Comme tu veux, ouais. Vas-y. De toute façon, ça donne que du cosmétique. Je me sens pas bien, Bédé. Je me sens beaucoup mieux. Maintenant, on trimballe la bouboule. La bouboule magique. Là, dans le trou-trou. Voilà. Ce qui va activer le milieu. Une nouvelle bouboule. Et on va pouvoir descendre dans le temple. Ce qui prouve bien que la meuf, elle avait pas trouvé d'artefact, donc pas de bon, parce qu'elle a pas ouvert ça. Ouais, c'est vrai. Ou alors, elle a tout remis en place. Je pense que ça serait quand même vachement fait chier. Ouais, quand même. Surtout qu'elle n'a pas l'air de vouloir sortir. Alors, le voici. J'ai enfin mis la main sur une représentation parfaitement intacte de l'artefact sacré des Éphos. Mon ami, regarde ça. Voici Mictrul au sanctuaire de Pogano. Dans sa main, on remarque un objet. D'après cette illustration, je pense que l'objet permet à un utilisateur de la force de percevoir les mystères du sanctuaire. Ainsi que la clé. L'astrium des Éphos. Mais qui voudrait détruire ces représentations et pourquoi? Je dois creuser davantage. Cependant, je connais l'étape suivante. Trouver un astrium, s'il en existe encore un. Un astrium. Tu sais de quoi il s'agit? Moi non plus. Mais une clé, ça je sais ce que c'est. Je crois qu'on sait ce qu'on doit trouver. Une clé. Plusieurs entrées. Tout est lié. Ah ouais, je vois à peu près où est-ce qu'on est. Voilà. On est revenu à l'extérieur de la base impériale. D'ailleurs, on était sur le pont la dernière fois. Là-bas. Bon, bah ça c'est nickel. Techniquement, on a fait pratiquement aucun coffre. On a fait un secret. Et on a même pas encore le sabre laser une dans chaque main, encore truc. Donc on peut revenir plus tard, quoi, tu vois. Il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Je te remercie, Padawan. Mais de rien. Tu as dégagé le passage. De quoi est-ce que tu parles? Bah, elle avait pas accès au temple, connard. Je voulais l'accès au temple. Et maintenant que j'ai ce que je veux, ouais. Tu ne me sers plus à rien. Ah ouais. Tu
peux annuler ce qu'elle a fait. Merci. Espérons que ce nouveau cryptage nous débarrasse d'elle. Ouais. Je parle de ça, au final je fais la connerie juste avant. Enfin, juste après plutôt. Je croyais que je suis là, je pouvais l'avoir. Mais en fait. Vaisseau bizarre. Ouais. Mais il y a des vaisseaux trop pas plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Connard. Processeur de droïde sonde. Ça fait quoi de pirater d'autres droïdes? Bon. Ouais, ça me ferait bizarre de pirater des gens. Mais c'est pour la bonne cause, pas vrai? Ok, du coup maintenant même les droïdes sondes, je peux les pirater quand ils sont affaiblis? Je pense avant qu'ils explosent. Ouais, c'est ça. Voilà, endommagé. Ok, d'accord. On devrait prévenir le Mantis. Trilla les a certainement repérés. Points d'accès qu'on va pouvoir débloquer avec un support. T'es sûr que la radio fonctionne? Ils ne répondent pas. C'est parce qu'on va avoir une surprise sur la route. Quelque chose cloche. Il faut qu'on les rejoigne. Mais oui. On y va, on y va. Personne à l'horizon. Tu penses que c'est un piège? Bah oui. Ça ne serait pas le premier piège dans lequel on tombe. Attends. T'entends ça? Quoi? J'entends rien. Ouais, c'est le seul à entendre des voix, hein. Franchement, genre la porte est ouverte. Bah ouais. Après, j'aurais... Attends, non, je vais pas me faire... Bah ouais, non. J'allais dire, j'aurais pu prendre l'ascenseur là-bas, mais ça m'aurait amené en bas, ce qui me sert à rien. Putain, mais ouais, en fait, il y a tellement de zones qu'on n'a pas fait. On a fait 23 coffres sur 43, 10 secrets sur 14. Oh, par contre, des secrets, on en a fait un paquet. Ouais. On a pratiquement eu tous les secrets. Mais Il nous manque 20 coffres. Ouais, après par contre. Je sais pas pourquoi, je le sens pas. 20 coffres et 4 secrets. Mais attends. Attends, là je fais de la merde. Il y a un point d'accès pour rapide pour aller à là-bas, là où je veux aller. On pourrait aller passer par en bas. Là, voilà. Non. Ben non, ça c'est pour un secret ou un coffre. Je crois. En fait, je cherche comment aller le plus rapidement possible au vaisseau de merde là-bas, quoi, tu vois. Mais je pense obligatoirement, si je veux aller rapide, il faut passer par le bas. Il faut prendre un ascenseur de merde, quoi. Non? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Attends, là, non, là, regarde, ouais, si je prends l'ascenseur qui est là, ça me descend en bas, et de là, je peux repasser le chemin comme ça pour repasser, au lieu de prendre l'ascenseur et de faire tout le tour et de repasser par le chemin basique, quoi. Donc, l'ascenseur en face. Non, à droite. Tu vas y arriver. Ouais. Voilà, c'est ça. En plus, on n'avait pas pu débloquer le truc en haut. Parce que j'avais pas le pouvoir. Mais comment je fais pour récolter les données du coup? Juste. Oublie. Ok. T'en approches pas. Ok. Hop. Mais non, il peut sauter comme ça. Et des fois, il a des bugs, hein, mais... T'as crevé. Ouais. Ah mais non, attends. Eh hey, BD, là-dedans. Il est où l'ascenseur? Qu'est-ce qu'on a là? Eh ben il est en face de moi là en fait. Je suis... Bon, au moins on aura pris ça en plus. Hein. Abattez-le! Bien compris! Et bien pour toi et moi! Bah voilà, donc je prends l'ascenseur. Toi et moi. Oh, examiner. Bah j'examine quoi? Putain, c'était l'ascenseur. Je crois que ça mène à l'étage inférieur. Voilà, c'était pour faire ça en fait. Ça nous aidera à y retourner. Pas déconner. Sérieux. Non mais... En même temps, tu veux tout faire, tout mais examiner. Mais oui, mais en même temps, c'est... Machin, bah ouais, mais on sait jamais. Okay. C'est pas le petit robot, il est gentil. Double. Allez, je peux le faire. Non, tu peux pas faire. T'as fait 3 coups doubles en l'espace de... une bataille. Non, c'est pas moi. Par sa droite. C'est
Par là, à gauche plutôt. À gauche ? Voilà. Petite à gauche. Je, en fait, tu sais pourquoi. Et tu... Non, mais non, mais. Avant l'Empire ? Attends. Non, mais non, putain, c'est pas un vas-y. Recule ! Vous l'avez vu aussi ? Chier. Mais oui, je l'ai vu, je suis là. Je le tiens ! Attrapez-le ! C'est ça, on continue ! T'es mort. Le capitaine. Allez-y, il est mort. Toi, t'es mort et. Je te vois. Non. C'est pas vrai. Ils m'ont pas vu. T'es mort. Ok. Fou. Là, il y a des petits rats. En fait, ah, mais c'est parce que j'ai pas. Ouais, on n'a pas pris le pouvoir de traction. Ah, alors, pourquoi ça a pas marché sur les deux connards? Non, pouvoir, Non mais que je fasse des actions comme ça sur le Stormtrooper basique, ça aurait dû, quoi, tu vois, j'aurais dû pouvoir, c'est ça que je veux dire. En fait, mais quelle souplesse. Si je me fais chier à faire tout ce chemin là, c'est pour essayer de voir si je peux pas essayer de carotte et d'avoir la visite des gens que je parlais plus tard. Ouais, il y a eu un bug là. Ouais, j'étais bloqué immobile. Alors attends, maintenant faut que je saute assez loin. Ichoum ! Merci. Oh non. Ok. Je peux pas éviter le combat. Sauf si là, peut-être je fais demi-tour et je passe par l'autre chemin maintenant. Pourquoi est-ce que ça ? Bah tu vois pas, devant la porte, il y a un mec. En armure un peu marron. Et ce mec-là, c'est un chasseur de primes. Ok, ok. Et on tente l'autre chemin ? Non, en vrai, je pense. Mais non, parce que là, en vrai, je pense qu'on pourrait potentiellement faire bugger le jeu. Parce que c'est une scène obligatoire. Après que Gris t'ait parlé des dettes de jeu. Après, je peux essayer de gagner le combat. Ça, à chaque fois, j'ai perdu ce combat. On peut peut-être réussir à le faire mieux. Bah, essaye. À mon avis, non. Ça ne veut rien dire, ça peut pas tout de suite. C'est mon jour de chance. Ah okay. Mais c'était dangereux. Ça va laisser une cicatrice. Parfait, déjà il va. Ah, tu t'échapperas pas. Hein? Non, je peux pas. Ah. Voilà. En fait, quoi qu'il en soit, dès qu'elle te lance ça, tu peux c'est pas mort, quoi. Ouais. Ça me l'a fait à chaque fois. T'as dit qu'il t'échapperas pas. Pourtant, j'ai réussi à y éclater son jetpack et tout. Mais voilà. Et après, tout à l'heure, ça fera de bananas et de bananas. Où est-ce qu'on est? C'est bizarre, c'est rouge. C'est bien. Non, mais ouais, ouais. Le mec a pas capté qu'il s'est fait capturer, quoi. Mon pote, tu te caches où? Hippolo. Ouais, t'as plus ton sabre. BD. Alors, on a plus de sabre. Il faut sortir de là, quel que soit cet endroit. Ah bah c'est là. Non, attends, il y a un truc à faire. Ah ouais. C'est un câble électrique, ça? Est-ce qu'il faut pas que j'envoie un truc dessus? Ou alors non. Ou alors que je tire le câble. Putain, comme ça. On l'accroche où, là? Non. Là. Non. Par là. En haut, regarde en l'air. On est con. On est là, on est très con, c'est sûr et certain. Attends, il doit y avoir un panneau, je sais pas dû enlever. Voilà. Il y a quelque chose ici. Ça, c'est pour ça. Tu vois, c'est pour ça qu'au début, j'ai arraché les panneaux. Le seul panneau que j'ai laissé, c'est le seul panneau qu'il fallait ouvrir. Je non, mais quand même. C'est fait de la non-concentration, tout ça, non-concentration. En profondeur. Ok, d'accord. Heureusement qu'ils sont morts. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je peux aller jusqu'à dans cette pièce, ça sert à quoi. Comme là, de toute façon, je peux rien y faire. Qu'est-ce que j'ai mal au cou?
coup, là, il y a plusieurs trucs. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait quelque chose, pas quelque chose. Je sais pas du tout ce que je fais, là. Ça se remarque, certainement. Ok. Par là. J'ai rien compris. Il y a trois câbles. Ouais. D'accord. Il y en a des bleus et des comme ça, tu vois. Mais il faut certainement activer un truc pour ensuite pouvoir activer quelque chose avec un terminal ou un truc de merde, tu vois. Maintenant, le seul problème, c'est je me dis déjà lequel. Déjà, lui, il peut pas aller plus loin que ça. Donc, lui, c'est sûr et certain qu'il se branche là, tu vois. Oula. Oh, attends, c'est pas là. Ça sert à quoi de connecter ici? Là, il y a un truc. Ah, peut-être qu'à un moment donné, je peux ouvrir. Peut-être faut mettre un certain truc. Ou en activant après, voilà, c'est ça. Doit pas y avoir le courant activé. Tu vois? Et après, par exemple, si je le connecte là, j'ouvre les cellules du côté gauche, et ainsi de suite, peut-être. Je sais pas. Ouais, je te dis, j'en sais pas. J'avoue, je sais pas. Franchement, j'ai pas pigé. Faisons des trucs. Bah ouais, des trucs. Le truc, c'est que je peux pas faire énormément de trucs non plus, quoi, tu vois. Ah, le bleu peut aller jusque là. Il avait pas l'air de vouloir se connecter à l'autre. Ouais. Il s'est passé un truc. Ah. Ah, maintenant celui-là est allumé. Celui-là. Donc celui-là là. Là. Je le mets là. La porte est ouverte. Me duque. Ok. Ah bah oui, il faut que d'abord que j'aille chercher BD, je suis con. Moi je m'en barré sans moyen de sortir d'ici. Putain, j'ai trop mal. Pouf, vivement que j'ai loin de me faire masser le dos. C'est pas faux. J'ai l'impression qu'on m'observe. Non. Tu crois? Moi je suis pas sûr. Hein. Bien sûr qu'on t'observe, moi. Ça me plaît pas. Ah, il y a des gens qui ont perdu le combat. Donc, là, il y a ça. Il y a un chemin par là. Ah oui, je fais pas de ma carte, j'ai pas BD. BD, il doit être derrière la porte là-bas, si je me trompe pas. Ou en haut. Attends, je vais voir. Voilà. Il est pas là, il est au-dessus. BD ? BD1 ? C'est toi ? Oui, là, non. Voilà. Est-ce que ça va ? Okay. On va te sortir de là. Ah ouais, t'inquiète. Est-ce que je... Eh, attends, je pense à un truc. Je peux m'en servir comme corde. Deux secondes, BD. Je fais mes muscles. Je veux aller là. Je veux aller là. Deux secondes, BD. Je reviens. Loulou. Bah, pourquoi faire? Ah, oh, ça se... Ah, oh, putain. Je reviens, BD. C'est pas un singe, par terre. Oui, en fait, je pense qu'il faut que j'aille avec BD. Pour qu'il puisse les scanner. Mmh. Voilà, et là. Hop là. Mmh. Parfait, je peux pouvoir accéder à la cellule de BD. J'aurais pu le faire. Non, en fait, il a un peu de sécurité. Je suis content de te voir aussi. En fait, je crois, normalement. Laisse-moi t'enlever ce boulon d'entrave. Voilà. Ce qui l'empêche de faire quelque chose. Crétin. Pauvre droïde. Il faut qu'on sorte d'ici ou on finira comme eux. Bah, t'as toujours pas d'armes, mon frère. Donc, prends pas trop la confiance. Par ici, BD. Est-ce que tu peux pas ouvrir des trucs? Ah ouais. Casser des portes. Ok. Et donc maintenant. Là-bas, il y a le truc là-bas. Ah bah ouais. Il n'y a plus de truc. Je vais y aller. Parce que doit bien sans y avoir un truc. Sans mourir cette fois. Je vais y arriver. C'est chiant. Putain, je sais pas par là comme ça. Ouais, non, il est activé là de base.
Mais c'est quoi ces angles de merde? Bon. Non, mais non, non, non. Calme. Il a calé. On y va doucement. Et il y a quand même que dalle. Bon, bah, allez vous faire foutre. Non, c'était juste histoire de faire ça pour remonter en haut. Et... Tu crois? Ouais, je pensais que c'était pour atterrir en haut à la base. On fait vraiment que de la grosse merde. Je galérais à y aller, là j'en j'y vais. Et va le faire foutre, putain. C'était pitoyable. Voilà. Allez, on y va. Ouf, on y est enfin arrivé. Tu peux pirater la porte? Ah bah non, en fait, on arrive de par là. faut que j'aille où? Oh, maintenant on a la carte. Ah, t'as vu, il y a bien un truc activé là. T'as vu? Il y a bien un truc à gérer. Attends. Là. Je peux te prendre un peu d'énergie? Ok. Donc maintenant c'est allumé. Ah, il faut mettre le deuxième. Ouais, non, ouais, c'est possible que ça donne accès à un truc. Attends. Il y a du courant maintenant. Ouais, c'est un ascenseur. Mm-hmm. Je fais quoi? Je le prends? De toute façon, oui, c'est le seul chemin. En vrai, je sais plus. C'est le chemin à prendre. Body Valo! Remontons à la surface. Tu entends? On dirait bien qu'il y a quelqu'un finalement. Mais je le connais, ce groupe. Bah ouais, nous aussi. Par contre, t'as toujours pas de savoir. Je me soigne maintenant. Tu peux me donner un steam, BD? Comme ça, je reprends le steam. Bon, alors là, on est dans la merde. Pourquoi? Bah, je sais pas, je te pose la question. Bon, bah, ça va être une petite arène. Avec quelques petits monstres. La première fois que je suis arrivé ici dans le jeu, je suis resté 5 à 10 minutes écouter la musique, tu vois. On va peut-être pas rester 5 à 10 minutes à écouter la musique, elle est sympa, mais... Bah ouais, bah oui, elle est sympa. Oui, mais bon, voilà. Allez, on y va. Mon chapeau, qui se veut dans l'arène? Sur le temps qu'il te faudrait pour arriver ici. Et vous êtes qui, au juste? Tu veux savoir? Je suis Sortorbeau, mon petit. Je suis le chef des opérations ici. Tu pourras remercier Grisy, c'est grâce à lui qu'on se rencontre, toi et moi. Je le ferai, dès qu'on sera sortis d'ici. Nous accueillons un combattant très spécial pour vous ce soir. Un représentant d'une époque. Mais j'ai pas de savoir. Angela. Voyons ce qu'il a dans le ventre. La force. Oh, 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 au bébé. Ah, il rentre quand même le joujou au bébé. C'est l'action que vous voulez? Je vais vous en donner de l'action. Ah, ça, nous rendons la passée vaillante et tombée au combat. Et je mange les petites tribulules, mon con. Oh, pas. C'est pas ça en fait, parce que je sais qu'ils explosent en deux, non? Voilà. Mais en fait, je voulais les abîmer pour qu'ils explosent sur lui. Mais Ouais, parfois tu les vois chat. Ouais. Je peux pas les éjecter après. Ah mais maintenant je peux ça faire. Ouais, tu vas pouvoir t'éclater ça. On prend le temps qu'il faut pour les tuer. J'en veux pas. Ça arrivera. Ah, mais non, attends, je vais faire ça. D'abord, je vais mon petit. Allez, vas-y. Même moi, je l'ai vu. Mais non, mais pourtant, j'ai mis le pouvoir d'attraction. Ça va. J'ai 5 steam,
J'ai le temps. Oui, enfin, si. Oui, t'inquiète, t'inquiète. Mais arrête de te faire choper, putain. Mais tu vas trop crever loin. Oh. Soigne-toi. Aide-moi, s'il te plaît. Maintenant. Je pense que ça va marcher pour ça. Mais vas-y, oh, regardez ça! Tu as décliché le truc! Et si tu descendais pour venir m'affronter en personne? Enculé, il n'y a pas d'entraide. Je suis trop occupé à causer mes graisses. T'as raison, il parle beaucoup trop. Il est concentré! On dirait que la roue tourne. Quel coup superbe du Jedi. Qu'est-ce que tu nous fais? Ah, ce que j'appelle du combat. Bah ouais, bah ils sont nombreux. Et qui font la donne avec quelque chose de plus vilain. Oh, c'est plus grâce que la saison de l'amour sur Galvan Prime. Est-ce qu'ils se convoquent? Non, ils se convoquent. Ok. Il a fait des dégâts quand même. Ouais, c'est quand même. Ça va être niquer un, t'as pas en même temps que soigner, ça m'a compté l'action. Le meilleur est pour pouvoir venir. Allez. Je crois que tu connais tes prochains adversaires. Ah bon? La nuée d'action se joint. Ah, alors toi. Regarde ça. Regardez-le. Tu n'échapperas pas. Ah, tu as le jetpack qui va casser les filets. Un steam BD. Voilà. Essaye de m'attraper. Ah. Un peu. Tu ne pourras pas toujours fuir. Wow, il y a eu un bug de texture, regarde, il y a le mec qui part en compétit. En tout cas, ils sont venus nous chercher. Pas grave, on regarde pas les textures qui partent en couille. Magnifique entrée. Franchement, ouais, ouais, ouais. Bon, je sais pas, j'irai avec moi. Franchement. C'est pas... Pas contre le chasseur de primes, ça va encore, mais contre les autres, c'était la merde. C'était pas exceptionnel. Hey, Grise. Tu es célèbre par ici. Ouais. Des affreux, pas vrai. Ils empestent l'huile de module. T'as l'air d'aller bien. Oui, mais on aurait pu se passer de ça. Une chance qu'on t'ait trouvé. On pourrait bien avoir d'autres ennuis. L'Empire a appris pour l'Holocron. C'est pas bon. Toute la mission est compromise. Et j'ai eu une discussion avec la deuxième sœur. Trilla. Alors, sérieux? Qu'est-ce qu'elle t'a dit?
Elle m'a dit que vous l'aviez livrée à l'Empire. Est-ce que c'est vrai? Elle dirait n'importe quoi pour faire échouer la mission. Est-ce que c'est vrai? C'était mon apprenti. Avant la purge. Vous auriez dû me le dire. On a reçu un message crypté. Ça vient de Kashyyyk. En gros, on peut directement aller chercher Tarfou. On avait passé à la phase 2 de Kashyyyk. Marie. Karl, on a trouvé Tarful, et il est d'accord pour te rencontrer. Mais ce n'est pas tout. L'Empire a réussi à nous déloger de la raffinerie. So a dû s'enfuir de la planète. Certains d'entre nous ont rejoint les Wookiees dans la forêt. Sois prudent. Toi aussi. Il y a un bug, t'as vu, elle avait parlé alors que... Plus tard. Plus tard. On a une piste. Tout va bien. Et tout va très bien se passer. Il a l'air un petit peu... ce petit ouais, peu... ouais, ouais, ouais. Hé, hey, petit gars. Hé, hey, lève-toi debout. Faut qu'on cause. Quoi? Faut qu'on cause. Je sais pas trop ce qui se passe entre vous deux. Enfin, j'imagine que ça doit être un truc de Jedi. Mais si tu veux mon avis, c'est pas le bon moment pour... Ça te regarde absolument pas. Bah, je suis absolument pas d'accord. On est tous dans la même équipe, pas vrai? On est tous dans le même bateau. Bah, en vrai, il a un peu raison, d'un sens. S'il y a des conflits entre eux, ça va poser problème derrière. C'est clair. J'ai commis une erreur. Et ça t'a presque tué. Je regrette. Peut-être qu'on fait tous des erreurs, hein? Peut-être que toi, non. Tu devrais être un peu indulgent. Je te dis pas de faire ça pour moi, mais tous les deux, vous êtes vraiment ce qui m'est arrivé de meilleur. Avant que vous débarquiez, tout ce qui m'importait, c'était d'avoir une main du tonnerre. C'est ce que disent les joueurs. Je sais ce que ça veut dire. La vie, c'est pas un jeu. Ben non. Je ne m'intéressais qu'à moi avant que vous arriviez dans ma vie. Je crois qu'il parle de ses gosses. Ouais. Je suis plus le même. Je suis en père maintenant. Maintenant, pourquoi pas? Bah du coup, pas d'Atomir. Ni c'est faux. Mais Kashyyyk. Pas la carte, il faut y aller. Voilà. On aurait pu aller refaire Bogano en fait entre temps à fond, vu qu'il n'y a pas besoin de faire les grands sauts là-bas. Oh, tant que tu ne retombes pas dans non. Tes travers. Bah, ça, non, t'inquiète, je suis juste spectateur. Pas de paris ou de trucs dans le genre. Tu veux qu'on aille faire autre chose que. Non. Bah, non, mais là, après, on part déplacer, ça change pas. Regardez, deux grosses brutes échanger des coups. Cette agilité, cette force brute. Yeah! Wouh, wouh, wouh. Capitaine, je suis assez perplexe face à ton penchant pour une chose aussi... primaire. Ah, oui, je sais, c'est vrai, oui. C'est drôlement primaire, mais bon... c'est divertissant. On va sortir de l'hyperespace. Assieds-toi. Let's go, Kashyyyk. Ouais. Sinon, je te dis, on va au bar. Hein. Un grand pêche. Hein. J'ai pour habitude de ne jamais perdre mon temps avec les insurgés de ton espèce. Ah, c'est Trida qui a nettoyé. Mais j'aimerais retrouver un Jedi, un Padawan. Et je sais qu'il est venu ici. Et pour cela, vous allez tous crever, beaucoup souffrir.
Ah. Joystick et Marie ont marqué ton point de rendez-vous avec Tarful. Ok. Attends, mais du coup, on n'a toujours pas été prendre le secret ici. On peut aller le prendre maintenant. Vite fait, c'est sur la route. Il y a juste la saloperie d'araignée en bas, là. Même pas besoin. Oh, regarde, c'est parfait. On va même pas combattre l'araignée. Ouais. Hop, on prend l'écho, on repart. Ouais, c'est ça, et puis voilà, c'est carrément. On prend juste le truc. Et en plus, on a plus de points de force. Attention, cette zone est dangereuse, BD. Ok, nous, ça me fait chier à tout déplacer. Oui, non, mais carrément. Mais n'empêche, tu vois, on l'avait bien laissé passer pour quand on allait revenir, tu vois, en mode, bah quand on revient, au moins, on a juste ça à faire. En vrai, en plus, dans cette zone-là, il nous manquait pratiquement rien. On a quasiment tout fait. Bah ouais. Oui, petit lag. De toute façon, faut se dire qu'après Kashyyyk, au final, on est nickel. Il restera que d'Atomir et d'autres planètes. Alors par contre, attends. On a deux chemins. Ouais, voilà. On va d'abord, on va passer par là. Hein. Franchement, on va pas se faire chier. Du coup, on est là, on descend et on va à gauche. Alors, est-ce qu'il va pas y avoir le Purge Trooper ? Bah y'a personne. Ok. Moi aussi j'ai pas compris pourquoi je suis passé par en dessous. Marie, est-ce que ça va? Je vais bien, contrairement à beaucoup d'autres. Est-ce que Myriana t'a indiqué le point de rendez-vous? Oui, je suis en chemin. Parfait, on vient d'y arriver, mais on n'y restera pas longtemps. L'Empire est à nos côtés. Je vous rejoins dès que possible. Ok, c'est bon, nickel. On est arrivé au début de la nouvelle zone. Le col, bon, sérieux. Reste près de moi, BD. Ces trucs ont l'air rapides. Bah ouais. C'est tout mignon. Est-ce que tu vois... Ah, j'ai réussi à le tuer comme ça. On ne pas celui-là. Le truc, il vole et pourtant, il a réussi à... Ouais, on ne mourir de shit. C'est n'importe quoi. Oula. Si j'ai failli clamser. Tu fais pas repas, quoi. Non, c'est juste pour prendre le checkpoint. Ouais. Je regardais, je voyais 5-6. Ouais, franchement, et puis j'ai qu'un point de compétence, il m'en faut 3. 2 ou 3. Ouais. Donc, oula, tu vois, j'allais essayer de faire le saut en une fois. Non. Attention, tu peux pas nous battre. J'ai eu. Quelqu'un prenne le relais. Okay. Allez-y, tirez. Bien. Voilà. C'était juste. C'était rapide. Juste par là, mec. Allez, salut, capitaine. Capitaine. Il glissait. Ça a pas voulu sauter parce que j'étais en pleine action de contre. Oh, salut, toi. Attends. 2 secondes. Je crois qu'il y a une porte. Je suis mal partout. Alors je fais la porte avant, j'arrive. Bon bah j'arrive. Ah si. Bah ça met nous ça. Ok. Ouais, je suis là, frère. Oula. Mais traître de quoi, on est même pas ton allié. Bah ouais, c'est ça le pire. On a jamais été ton allié. J'adore trop tuer les purges comme ça. C'est tellement violent. Ouais, ça raccourcit tellement le combat, on va pas se mentir, franchement. On gagne du temps, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà, nous, faut qu'on aille là-bas. Bon, tu vois que des fois, quand le temps que ça met... Ouais. Marie, tu m'entends?
Je bah, suppose qu'au terre d'ombre, dans l'épave d'un marcheur. Sou a réussi à en abattre un pendant sa fuite. Il est avec toi ? Non. Plus maintenant. On en reparlera quand tu seras là. TBTT. Ouais. Le marcheur de l'ordi. Oh là 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 là. Ah mais fais chier les roquettes là. J'aurais pas dû t'occuper des roquettes tout d'abord. En fait non, parce qu'en fait le truc c'est que j'ai raté mon saut. Parce qu'en fait, sinon... Tu vas crever. Ouais, ouais, mais là rien. Aide-moi. Stay. Putain. En fait, j'ai raté mon saut. J'aurais pu sauter, tu sais, faire un carré pour abîmer à mort le truc. Et t'as fait de la merde. Ouais, et j'ai sauté à côté. Alors attends, je regarde s'il n'y a pas un truc ici. Il n'y a rien. Mais ouais, parce que là, il y a une araignée qui arrive là. Je me sens faible. Attention. Saloperie. T'es obligé, tu vois, pour les activer, qu'elles sautent dessus et tout, c'est... Ouais, ça, c'est dégueulasse. Ah, il voulait scanner quelque chose. Qu'est-ce que c'est? En fait, je peux peut-être réussir à les esquiver à certains moments, mais je suis pas sûr. Attends, je pars bien dans le bon sens, là. Parce que je suis pas en train de faire juste un retour à l'endroit où j'étais. Attends. Mais oui. Faut aller par où, putain? T'es prête. Attention. Celle-là ou celle-là? Attends. Ah non, c'est trop tôt. C'est là. Putain, j'ai raté la tiro. En fait, depuis tard, c'est ce que je me disais, mais il y a une tiro. J'ai raté la tiro. Je l'ai vu deux fois et j'étais sceptique. Parce que c'est ici qu'on peut sauter, mais on peut pas encore nager sous l'eau. C'est d'ici, quand t'arrives, tu sautes. Je me suis suicidé. Bah ouais, j'ai vu ça. Bah y avait de l'eau en bas, allez, j'atterris dans l'eau. Ouais, c'est sympa. Ouais. Oh, t'es un Jedi quoi, putain. En vrai, t'arrives au niveau de l'eau, tu fais la force, tu la fais remuer et puis tu rentres dedans. Ouais. Hey BD, là-dedans. Qu'est-ce que c'est BD? Allez, on avance. En vrai, tu sais que là, on monte tout en haut, on fait 2-3 petits trucs, il y a une petite scène ou deux, c'est un peu chiant, et après on arrive en boss. Un peu chiante. Ouais, et après on est en boss. Tout est un peu chiant, là, quand c'est mou, tu vois, bon, voilà, quand on va pas se mentir. Ah bah, faut laisser le temps de faire les choses. Oui, mais c'est long. Ouais. Je crois, quand on attend qu'une chose, c'est la fin pour passer aux deux, bon bah, on se dit merde, oui, putain. Là, c'est trop long, là. Ça devient long. Surtout non, quand on sait qu'il doit chercher un putain d'artefact, est-ce qu'il va l'avoir son holocron à la fin, c'est tout quoi. Continuez. On arrive dans mes terres d'ombre. Il y a un 2. C'est quoi le but du 2? Bah, il doit chercher ce foutu putain d'holocron. Non, c'est peut-être réussir à trouver un endroit où... récupérer ce putain d'holocron. Mais non, où se cacher au bas de l'Empire, tu vois. Un endroit tranquille. On va aller à la suite. On va sécuriser les enfants sauvés. Putain, mais ça sent comme l'objectif fait. Ça vient d'où? C'est quoi ça? Ça, c'est des plantes carnivores. Ouais, ça se referme sur ta gueule si tu vas dessus. Ouais, oh. Si tu mets trop de temps. Toute la forêt est vivante. Ouais, tu finis par être bouffé. En gros, t'es bloqué, si tu sors pas assez vite, tu meurs. C'est un peu comme dans l'âge de glace avec la plante carnivore, et puis quand tu rentres dedans, elle te déchire en 2 minutes, quoi. Ouais. Voilà, ce canne-là, je veux pas rentrer dedans. Voilà. Bien joué. Ouais, ça c'est chiant parce que ça t'attaque. Mais il faut tout le temps les repousser. Hop, hop. On continue. C'est bon, on va rentrer. Tu pourras pas tout éviter. Ok, d'accord. Mais ce n'est que le début.
peux pas finir le travail? Tu es lent. Va dans la plante. Mais non. Bah ouais, mais et puis j'avais pas encore la plante. L'Empire te retrouvera toujours. Ouais. C'est pas grave, au moins je l'ai eu. Ça y a fait des bons dégâts. Ouais. N'empêche, ça a quand même fait des bons dégâts. C'est en fait, attends, est-ce que je carbure un peu trop? Ouais, non, c'est bon, y'a rien, on a plutôt récupéré. C'est juste tu. Oula. Bah ouais, c'était sûr. Y'a rien. Ah, j'ai plus le point de force. Mais en fait, le truc, c'est... Ouais, elle est pas assez... Il a mis un coup de pied. Et dans 5 minutes, on aura fini le combat. Mais non. Pourquoi j'y arrive ? Allez, saute pas derrière. C'est n'importe quoi ! C'est passé le finish avec l'araignée qui m'a mis dans le vide, quoi. Mais putain, tombe, salope. Merde. T'as dû se la pousser et puis voilà, merde. Et ouais, mais je pouvais enfin finir par faire un finish bien touche la plante et tout. Et là, tu sais que la fin est proche. Non. Tu as déjà vu un endroit comme celui-là? En vrai, on avance bien. Tarful, il est en haut. Tarful, il est juste en haut. Une fois qu'on aura fini cette zone, tout en haut. Là. Et après, il y a le boss. Ok. En vrai, on a charbonné la zone. Oh, c'était plutôt rapide. Ouais, mais après, on récupère que dalle. Putain. Bah, après, de toute façon, là, pour l'instant, on peut. T'as mis 2 points, du coup ? Non. J'attends d'avoir 3 points pour pouvoir choisir potentiellement un gros à 3 points ou tu veux qu'on mette un à 2 bah, points. Bah, je sais pas, c'était histoire. Vu que t'en as plaisir à 2, je me suis dit peut-être que ça peut être intéressant de regarder ouais, ce qui est à 2. Après, si t'as pas envie d'en mettre, tu le mets pas. Hein, mais oui, non, mais on peut regarder. Ah, ouais, bah, tous ceux qui sont éclairés, je peux les prendre. Alors, je peux prendre le lancier virevoltant. Ce qui me fait faire une attaque lourde et zzzz, après avec le double sabre. Sympa. Je peux prendre l'estime plus fort et plus de points de vie. Ok. Je peux prendre plus de points de force. Ok, en sachant que ça sera intéressant les points de force. Ça par contre c'est aussi pratique. En plus ça coûte qu'un point. C'est l'étreignage de force. En gros je peux les faire plus longtemps et le plus loin. Et sinon, j'ai la poussée tempétueuse, une poussée puissante qui permet à Cal de repousser des groupes d'ennemis et de renverser les cibles lourdes. J'ai toujours pas acheté. Oh. Je croyais que je l'avais déjà. Alors là, franchement, c'est toi qui vois. Ah, j'ai la poussée massive. Ok, d'accord. Bah, je sais pas. Toi, tu préfères quoi, toi ? Il y a la traction, il y a ça, ou il y a le, en attaque, ou il y a le sabre laser ? Moi, perso, je m'en fous. On fait quoi ? On prend la poussée ? Je pousse tout le temps. Ouais. Attends, avoir une poussée plus puissante. Ouais, en plus c'est notre délire ça. Ouais, du coup maintenant quand je maintiens R2, je pousse vraiment fort et même les purge troopers je vais les envoyer dedans. Parce que franchement ça m'appuie sur le coup, c'est horrible. Et après j'ai mal au cou. Bon, on a pris ça. Allez, on avance. Et comme je disais, là dans cette zone là en fait. Putain, pourquoi je dis ça ? Dans cette zone là. Attends, ou alors c'est mieux. Attends. Ah oui, je peux pas le dire. Attends, je vais aller là-bas. Mais parce que je crois qu'il faut que je saute dessus pour que ça fonctionne. Ouais, alors voilà, c'est ça. Enfin, tu vois, ça aurait été plus rapide même tout à l'heure, hein, tu vois. Mais voilà, en gros, dans cette zone-là, on va récupérer le truc pour respirer sous l'eau aussi. Ok, ouais. C'est dans cette zone-là, normalement, qu'on récupère ça. Ok, donc en fait, là-dedans. Ah ouais, t'as vu, ils sont là, Tarful. Voyons voir ça. Tarful et pilote, il est là. Et en fait, une fois qu'on est là, après, on va un peu plus haut dans l'arbre et il y a le boss. Ok. Donc, tout ce qu'il faut, c'est juste. Allez, là, il faut que j'aille là-bas, je suis con. Là, faut que je
passe de l'autre côté pour monter comme ça, sauter comme ça et puis monter. Ce qui me dérange, c'est qu'on l'aille toujours pas encore le respirateur. Ou alors je suis passé à côté, j'espère. Oh. Non, ça se trouve, ça va être ici par là que tu vas la récupérer. Ah, il y a des chances. Le problème, c'est que là, j'ai deux araignées sur le dos. Tu vas t'en sortir, carré. Oh, je peux les voir, ça les one shot. Ça les one shot. Ouais, ils peuvent en venir autant qu'ils veulent. Hein. Maintenant, c'est bon, t'inquiète, je gère. S'il fallait juste faire une parade parfaite. Ah, dommage. La découverte. Mais je te jure. Donc, toujours pas là. Putain, mais c'est où qu'on cherche ? Parce que je sais que c'est sur Kashyyyk 2 qu'on commence à pouvoir après aller plonger sous l'eau. Salut ! Voilà, si on n'arrive pas dans la flotte, on est nickel. Là, t'as plusieurs trous. Ouais, je regarde, il y a 4 coffres et un secret. On en a un sur 4 déjà de base. Juste en ayant passé, mais on va en choper d'autres en passant comme ça. Tu m'as donné le tournis à force de tourner. Il y a un truc à choper. À gauche, à droite. Non, mais ça, ouais. Tu donnes le tournis en fait, tu sais ça. Hein. Ces arbres. Je sens la force qui entoure ce lieu. Okay, si bien spirituel. Pas. C'est ici qu'on doit retrouver Tarful. Attends. Nous avons été raté quelque chose? Mais comment j'y accède en fait? Je regarde juste vite fait la gueule que ça avait. Je veux juste voir la gueule que ça avait, la salle. Par l'eau, sous l'eau. Si on est dans sous l'eau. Il y a de l'eau. Okay. Regarde. Okay. Ouais. C'est que pour l'instant. Tu vois, c'est normalement, je débloque le truc ici. Est-ce que je vais pas l'avoir raté? Si c'est ça, ça va vraiment me faire chier de fou. Oh. Bon, alors on va parler à Tarful déjà. Est-ce que tu le récupères pas après? C'est possible. En vrai, c'est possible. Mais parce qu'en normalement on est encore dans cette zone là. D'abord et ensuite... En vrai c'est possible mais je sais plus. Parce que je crois qu'on ramasse trois terres. Je te présente le chef Tarful. Je suis en mission pour maître Eno Cordova. Il recherchait un artefact Zepho. Si on le trouve, on pourrait sauver les Jedi. N'empêche, on a bientôt fini la phase de deux. Où Cordova a trouvé la sagesse, tu trouveras des réponses. En haut de l'arbre des origines. Il est immense. Je ne sais pas par où commencer. Eh bien, peut-être que tu trouveras un moyen depuis ses racines. Mais la plupart sont immergés. Ah non, c'est là-bas. Il te faut un respirateur. Voilà. Et c'est elle qui le donne, du coup. Puis... Non, mais t'avais raison. Mais tu vois, des fois, j'ai des bugs de mes... tu vois, dans ma tête, on récupère autrement. T'es trop pressé. Merci. Ouais, mais pour moi, le ramasser sur un cadavre... Qu'allez-vous faire maintenant? La seule chose qu'on puisse faire, nous battre encore. Bonne chance. J'espère qu'on se reverra. Ou pas. Ok, maintenant je peux explorer les zones sous-marines. Mais il faut que je monte à la base vers l'arbre. Et maintenant, c'est sous l'eau, à droite, à gauche. Wouhou, ça m'a fait un petit chatouille, quoi. Oula. Mais qu'est-ce que c'est profond? Donc là, t'en es limité sous l'eau. Ouais, avec le respirateur, tu peux respirer autant de temps que tu veux sous l'eau. Et y a, dans le 1, il n'y a pas de monstre marin. Ouais. Donc t'es au calme. Ouais. Voire même, t'es potentiellement... c'est de la zone les plus... safe en dessous. Voilà, ouais, parce qu'il n'y a pas de monstre, on t'attaque pas, ouais. Les robots peuvent pas venir, les ennemis peuvent pas venir. Putain, c'était juste qui s'est abrité ici, pleurer la perte d'un ancien. Mais du coup, maintenant, tu as toutes les zones, même Zepho, les zones près du croiseur écrasé. Tu vois, tu peux fouiller les coffres sous la flotte, quoi. Tu vois, en vrai, c'est juste du... Mais là, c'est bon. Je fais juste un petit tour vite fait, là, sous l'eau. M'assurer qu'il n'y avait rien. Et du coup, normalement, c'est par là-bas, sous la flotte. Ça, hein. Ouais, faut passer sous le pont, là. Ok. Ah, ouais, putain, comme un débile, j'ai essayé d'ouvrir la carte, mais je suis...
Je sais que c'est là, normalement c'est là. Parce que t'as vu, il y a un autre truc pour sauter derrière. Il n'y a pas un truc entre nous là, un coffre. Ouais, bien vu. Ce qu'il dit, allez BD. Il dit rien du tout, puis ça bouge comme s'il dirait BD. Même pas. Qu'est-ce que c'est BD? Il l'a dit quand même, le con. Scan. Est-ce que ça pourrait pas... Bah non, la seule plante qui nous manque, c'est pas celle de Datomir. Ouais. Non. Scan. Je crois, hein, c'est la seule qui nous manque, c'est celle rouge. Ah, c'est le vaisseau en face qui scanne. Merci BD. Tu vois, il le dit en fait indistinctement, hein, mais... Bon, on a raté des coffres, hein, je te le dis. Bon, ça, c'est sûr, mais après, de toute façon, dans toutes les zones, on peut y revenir. Il n'y a aucune zone qui nous est inaccessible à n'importe quel moment. Genre avant vraiment de la dernière étape d'aller dans le temple. Oui, voilà, on pourra. On peut faire quoi, tu vois. En fait, c'était pas le chemin, mais c'est bénef. Tu es mon sauveur. Tu sais ça? Pas mal du tout, BD. Bah, d'empêche, et si Steam? Et sans les chercher, sans chercher les secrets ou quoi? C'est nickel, franchement. Mais oui, mais tu écoutes pas des BD. Et je me dis, est-ce que tu penses que dans le 2, il peut y avoir un truc que t'as en plus, si au cas où t'as des couleurs en plus, ou que t'as récupéré certains objets, ou trucs comme ça, ouais. Et que tu peux potentiellement déjà les avoir dans le 2. Aïe. Le mec, il se fait mettre en PLS dans tous les sens du terme. Non, mais franchement. Ouais, non, mais vas-y, les gens, là, ça vous... Laisse les centres cultes. Ouais, bah, le lance-flamme, il va me faire chier. Ah, mais je peux l'attirer maintenant. Ah non. Peut-être pas, vu que j'ai pas pris l'attraction puissante. Ok, allez, hop. Essaye de l'attaquer, laissez-le. Mais non, mais non, c'est juste de verre en. Non, allez, je vais continuer. Faut que je porte quand même quelques dégâts, machin. Putain de poison. Bah, tu vois, au final, c'est même lui qui l'a. Le Tarful n'a pas pu les tenir à distance. Ils n'arrêteront que quand tous seront morts. J'ai du mal à voir quand ils mettent le poison. J'aurais besoin d'un style. J'aime pas les limaces. Bon, faut monter. Ah, pas de doute. Quelque chose d'intéressant. Une graine. Ah non, c'est les plantes qui bouffent. J'ai compris, BD. Et ça va. Fais-moi voir. Et ça va. Est-ce qu'il y en a sous l'eau? Parce que sur les autres planètes, l'eau, c'est vraiment safe, hein. Qu'ils nous fassent pas croire en attendant. Allez, monte. Monte. Tu veux aller trop vite. Mais non, c'est lui, il avait fait l'animation de monter, mais. Tu veux aller trop vite. Oh non. C'est bon. J'allais dire, on n'a pas moyen de faire de pousser des machins de bidule quand t'es accroché. Faut aller où? En bas. Je trouve ces choses terrifiantes. C'est une autre. Ouais, je sais, mais là j'étais obligé, c'était le temps qu'il se raccroche. Et j'étais dessus. Oh les bâtards. Tu fais trop le couillu quoi. Descends, direct, descends. Attends, je me mets dans l'angle. Et là maintenant j'ai le temps. J'y vais doucement, j'attends bien, jusqu'au bout. Et on saute à droite, voilà. Plutôt que de se laisser tomber. On évite les problèmes. Allez. Tu es quand même mort deux fois quoi. Ouais. On monte. Salut la compagnie. Ah, j'avais pas vu que c'était une roquette qui arrive à gauche. T'avais vu toi? Non, j'ai pas eu le temps de percuter. Je pourrais l'éliminer tout seul. C'est ça, roquette? Mais. Ouais, je sais, j'ai été en train de. Tu vas crever. BD,
Arrêtez l'intrus. Ok. Ah, Jedi. Oh, il va te jeter dans le vide. Est-ce que j'ai pas de faire une connerie? Non, faut pas que je repasse tout. Tu veux voir ce que c'est? À gauche, là. Ok, BD. Qu'est-ce que c'est? Il y a rien dans l'eau. Il y a pas de petite lumière. Il y a pas de... C'est carré. Ah mais merde, c'est pas par là. Tu crois? Bah, je sais pas, je passe comment là. Je sais pas. J'ai repéré la position du général Demoki. Non. Approchez. Ok. Chiotte. Et à gauche, directement à gauche, là, sur le truc vert, tu pouvais pas remonter là? Si. Nickel. Liane, gauche. Ouais, attends, j'ai tout fouillé ici. Je suis arrivé par là. Non? Oui. Bah non. Oui. Je suis arrivé par là. T'es arrivé de là-haut là. Ouais, t'es arrivé de là. Bah non. Si, t'es arrivé de par là. Oh là là, j'ai du mal. Ouais, t'es arrivé, tac. Donc, si. Non, les enfants, je suis pas là. Hop, on tire tout. Ok. Faut aller dans la flotte. Ouais, c'est sûr, regarde, faut passer sous la branche. Sûr. Heureusement ça va, ils se voient bien les coffres. N'empêche là au moins on rate pas trop de coffres comparé à tout à l'heure, déjà on en récupère quand même plus. Mais là on arrive bientôt à la fin donc. Avec le petit combat. Est-ce que je suis passé sous la branche, ça y est? Ouais. Et il me manque que deux steam. Que l'Empire s'en serait pris à Kashyyyk comme ça, sans notre intervention. Les Jedi sont censés incarner l'espoir, mais j'ai attiré l'Inquisition ici. Mais non. Mary et Tarkoon comptent sur moi. L'Inquisition, oui. Est-ce que oui. Je les ai encore mis en danger? Ta faute, tout est ta faute, de toute façon. Mais l'Empire, non, parce qu'ils aiment bien les Wookiees comme esclaves, donc c'est loin de la faute de Kyle. De base, ils ont toujours voulu. Le truc là, l'attraction, c'est pas un point. Il y en avait un. Ouais, point. Là, l'attraction, parfait. Vas-y. Même les ennemis lourds maintenant, ou les commandants, je peux les attirer jusqu'à moi. Ah ah, on l'enculé. Ça va être mieux. On va vous niquer. En vrai, ouais. Puis au moins, il y a les 6. Il y a une pure. Wouhou! Informer l'inquisitrice. Je vais le retenir. Il arrête pas de bouger. Je vais savourer ce moment. Moi aussi. Ouais, affronte-moi. Non, je t'affronte pas, frérot. Ouais. Bon, c'est con parce que je les scanne pas. C'est ça que je dis à chaque fois, tous les nouveaux, je les scanne pas du coup. Mais tant pis. Il voulait un combat honorable, j'y ai donné une chute. Honorable. Mais qu'est-ce que c'est? Un petit morveux de braquin qui joue au Jedi? J'ai dit au grand inquisiteur que tu n'étais pas assez stupide pour venir pointer ton nez ici, après que nous ayons pulvérisé cette résistance de pacotille. J'aime tellement avoir tort. Il voulait en découdre, le câble, hein. Oui. Voilà, là, je me bloque bien sûr. Aïe. C'est stylé les explosions. Franchement, ça rend vraiment classe. T'as failli chuter. Oui, mais je voulais grind le bord, tu vois. Ah, mais bon, là, tu vas surtout grind le sol. Mais non. La chute. Accroche-toi!
fait une bouffée, d'accord. Allez, go. Bien cinématisé. Tu rebondis, tu glisses. C'est tellement beau le plafond. Franchement, ouais. Je veux la même chose chez moi. Sans les bestioles. Ouais. Fait chier cette connasse avec son vaisseau de merde. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là, j'avais un bug avec le personnage affiché. Je me suis posé la question. La 9e sœur nous recherche. Je dois appeler. La flexion faite, elle écoute toutes leurs transmissions. Elle le découvre. Chut. Bizarre. Je regardais. Bah, si. Ouais, j'avoue, on les voit de vraiment loin. Donc, il y en avait qu'un, quoi, là. Normalement, ouais. Ouais, ouais. À moins qu'il était bien caché. Ouais, mais je pense pas. Franchement, normalement. Ah, ça, franchement, c'est vraiment mal foutu. Oui, mais bon. L'animation de voir le robot partir. Te sens les chiantes. Ouais, et inutile. C'est vrai aussi. Ouais, c'est pour donner une animation quand il fouille plutôt que juste ouvrir le truc. Tu peux la one shot. Ouais. Est-ce que j'ai gagné un truc? J'ai pas de... Non, j'ai pas de points, j'ai mes 6 trucs. Parce que maintenant, à partir de maintenant, c'est du 2 par 2. Ouais, ouais. Faut juste la parade parfaite. D'accord. Ça, comme ça. T'en as plein d'autres derrière. Ouais, je sais, mais c'est moi, c'est ceux-là qui sont touchés. Le putain de verre. Ok, là, c'était pas une parade parfaite comme a fait avec les deux pattes ouvertes. Ça, c'est les petites attaques. Moi, c'est les grandes pas, les grandes attaques qu'il faut que je parte. C'était celle-là, par exemple. Ok, il n'y a plus de poids. Allez, viens là, ma cochonne. Voilà. C'est pas trop tôt. Dommage, ça, c'est... Ok, donc est-ce qu'on... Ouais, est-ce qu'on fouille... Non, on avance. Je regarde juste quel est le bon chemin. Il y a 3 chemins. Ok. Dégueulasse. Il y a un chemin par là. Et par là-bas. Et il y a ça qui... Ah, ça. S'il nous fait sauter là-haut, c'est qu'il y a peut-être un coffre là-haut. Non? Je pense, vu l'angle. Et il y a un coffre en bas. Ouais. Bon, c'est pas un coffre, mais c'est un écho. Et en bas, il y a un coffre. Ouais. Pendant longtemps, les Wookiees ont pèleriné à son sommet. Okay. L'arbre les guidait. Peut-être pas descendre trop.
Ouais, n'allons pas. Par contre, je me dis, attends, il n'y avait pas d'ennemis. Hein. J'ai pas vu d'ennemis. Là. Parce qu'il y a beaucoup d'œufs. Deux. Oh, tu veux voir ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, Bédé? Rôdeur, Pancho. Hop, ce qu'il y en a. Nouvelle graine. Ah bah, on a une nouvelle graine. Je crois que celle-là plaira à Grise. Parfait. Mais j'espère qu'elle grandira pas trop. Faut bien monter là-haut. Allez, go. Il est quelle heure? Que ça soit pas encore trop... l'heure, okay. Pas encore l'heure. Mais je pense qu'après le boss, il pourra s'arrêter là. Tu penses? Ouais. Ok. Fini lundi. Mais il y a trop de pistoles. Là, ils explosent, l'autre il met son poison de merde. J'ai besoin d'un steam, BD. C'est vraiment une planète de merde. Caché, quoi. Putain, poison. Chier. Curie. Je te le jure. Oula, t'as un point de compétence. Ouais. Est-ce qu'on remonte? Là, si par, là, là. Par là. Ouais, le temps de comprendre le mouvement. Et voilà. C'est parti, mon kiki. Tiki 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 tiki. Spider-Man, on connaît pas ses intentions. C'est ça qui a abattu la 9e sœur. Oui, j'avoue, on sait pas si vous nous bouffez ou si vous voulez nous aider. Ouais. Oh. Parce que là, il était grand tôt. Ouais. Il t'a bien vu. Je sais pas ce qu'il a vu. Ouais. Fais voir ça. C'est quoi comme bestiole? Mon ami, en arrivant ici. L'oiseau chio. Oh. C'est pour faire les grands sauts. Tu crois? Non. Je sais pas du tout. Ah non, parce qu'on est pas avec le maître Jedi. Ouais, je sais pas. Ouais. Ah bah c'est bon. Ça va nous amener au grand saut. Debout. Essaie encore. Oui, mais j'y arrive pas, maître. Ah oui? Bien. Continue à échouer et à essayer, c'est le seul moyen d'y arriver. Ne te laisse pas entraver par ton ego et de faux semblants. Tu dois oublier toutes tes craintes et te relever. Allez. Encore. Vas-y. Sois fort, petite Jedi. Bien. Maintenant, rejoins-moi. Tu peux y arriver. Ah, voilà. L'essentiel, c'est de se relever, Bédé. Tant qu'on peut se relever, on peut encore... Voilà, maintenant, j'ai les doubles petits sauts de merde, là. J'ai enfin retrouvé ma... Ce qui permet de faire des sauts de beaucoup plus loin. Avant la mort de maître, c'est clair. Ah, merde. J'étais en train de parler que j'ai mis le repos. Nouvelle cape. Et qu'un point. Qu'est-ce qu'on a débloqué, maintenant? Ok, il y a un truc en bas et un truc tout en haut. 2 points, esquive de précision. À chaque esquive de précision, qu'elle ralentit brièvement les ennemis et récupère une petite quantité de force. Ah ouais, quand tu fais juste une esquive rapide avec rond. Ok. Et en haut, c'est quoi? Augmente les dégâts au sabre laser. Mais il faut 3 points. Ça faudra l'acheter, ça. De toute façon, faudra tous ces points. Merde, je me suis pas reposé. En vrai, autant que j'essaie d'avoir le maximum de steam. Putain, c'est con qu'il y avait pas 3, on avait pas 3 points. Ça aurait été pratique. L'autre grosse nage, elle aurait été vendue. On va bien en voiture, même si on a le double saut. Oulé. Voilà, on n'avait pas besoin de double saut. Et là, juste pour la frime. Ouais. Juste pour la frime. Attends. Ok, on y est bientôt. On y est vraiment bien.
Il est blessé. Tu crois qu'on peut l'aider? C'est quoi ça? 2 secondes, les gars. Non, ils attendent pas. Darfoul, mon ami. Je comprends. Eh, mais non. Ok, j'en ai eu 2. Voilà. Ah, oh, bien en plus, moi je peux en scanner. Je savais toujours pas ce que c'est. Mignon. Ouais, mais ils sont méchants quand même, les Mikal. Bah, ils sont pas Mikal. Les Mikal. Bande de salopes. Tu veux bien me lancer un Steam? Je vais beaucoup mieux. Merci. Hop, et on monte. Il s'est passé quoi là? Ok. C'était juste le point de vue. Je me suis demandé, attends, pourquoi ça, je pars en. Ah, t'as vu, il y a un écho, il y a un coffre. Écho coffre. Et en bas aussi, il n'y avait pas un truc, une lumière en haut, de l'autre côté. Par là? Par là-bas. Oui, c'est un point de. Ah ouais, c'est un écho ça. Ou c'est un point de repos? Ah, ah. Non, regarde, ouais. Oh, il y a un autre truc aussi là. Ouais, alors je sais pas si ça, c'est vrai, je sais pas si ça c'est des échos ou si c'est des points de repos. Mais c'est par où le chemin? D'abord. Ça et ensuite ça. Hey BD, regarde ça. Qu'est-ce qu'on a là? Un poncho pour Kashyyyk. D'ailleurs, tu savais que l'acteur qui joue Cal, ouais, il est extrêmement fan des ponchos de Star Wars. D'accord. Et j'avais vu un truc parce que pareil, il déconnait sur ça en mode ouais, mais moi le plus important c'est que combien y a-t-il de ponchos et comment sont les ponchos. Il est resté focus sur les ponchos. C'était marrant. Je ne savais pas. Bah ouais, non, mais petite info. Voilà. Voilà. Ouais, des chemins, du coup. Voilà. Est-ce qu'il faut que je monte sur l'arbre? Ça paraît. Ou là? Je sais pas. Moi, je dirais là. En vrai, ouais, l'arbre, je vais m'approcher. Je suis sûr que j'aurais sauté sur la branche. Oh, attends! J'ai rêvé ou quoi? J'ai vu un coffre. Là, juste au-dessus. Oh. Et en vrai, j'ai gratté. Je me suis atterri dans normal. Regardez, hop, je suis arrivé là. Oh, petit singe. Vas-y, scan. Regardons ça. Arrête. Et j'essaye de l'éjecter. Vas-y. Bouge pas, petit singe. Oh non. Oh non, vas-y, c'est de la triche. Ça aurait été marrant là que je l'éjecte en mode. Ouais. Mais oui, ça aurait été. On va pas se mentir. On aurait bien rigolé. T'as pas été voir au bout s'il y avait quelque chose. Ça. Par là, tu vas dire ou par là-bas. Par là-bas. Vas-y, monte en haut. Et là où tu regardais au premier. Attends, je regarde aussi là derrière. Et là. Non. Et puis je pense que tu peux pas passer. Ouais. La guerre des clones. Je n'avais pas appuyé sur. La guerre n'a jamais cessé ici. Alors tout ce qu'on a fait, ça n'a donc servi à rien. Ok, parle. Et maintenant. Et maintenant. Regarde dans l'air. En face, c'est Penlian. Je l'avais point vu. Aline. À la 2. À la 2. Et pêlé. Et là, tu t'agrippes. Oh, attends, je vais essayer d'aller directement là-haut. Quoique, attends, il n'y a pas l'air d'avoir un truc sur la branche. Non, tu peux pas y aller. J'hésitais. Vu que t'as vu, ça avait l'air de faire un petit renfoncement. Et là, je tape la mouette. Hop là, t'as vu ça? Ouais, avec le petit double saut, ouais, non, il y avait. J'ai vu. Petit repos avant le boss. Ouhou. Si je me trompe pas, c'est ça, il est juste derrière là-bas. C'est quoi, c'est l'espèce de gros oiseau là? Mais non, c'est la deuxième sœur. Enfin, c'est la grosse. Ah oui. L'oiseau, il est pas méchant, hein? Oh, bah, on sait jamais.
Mais non. Sinon, il nous aurait déjà attaqué depuis longtemps. On est des petits vermisseaux pour lui. Oula, je suis parti. Non, ça va. Putain, j'avais oublié le double saut. Et je suis à la limite. Ouais, grave. C'est bon. Quoi qu'attends, c'est peut-être encore après. Mais en fait, on atteint l'oiseau. Ensuite, il y a la grosse qui arrive. Et ensuite, on combat la grosse. Il est où le piaf? Voilà, le piaf, il est là. T'inquiète, j'attendais le dernier moment pour faire le double saut. Ouais, mais voilà, moi, tu me fais des frayeurs. On est là pour t'aider, petit oiseau. Oui, on peut l'aider, mais faisons attention. Je ne veux pas l'effrayer. Hé, ça va aller. On voudrait t'aider, on est des amis, d'accord? Des amis. Ça ira. C'est un morceau du vaisseau de la 9e sœur. On doit lui enlever. Ce sera douloureux, d'accord? Je suis désolé. Avec la force. Merci, BD. Là, il a usé une de mes capsules, là. Ça va mieux. Tout ça pour un piaf? On lui devait bien ça. Là, et en fait, ça va être là, tiens, voir. Je vais trop près des bords. Ouais. C'est un peu flippant, quoi. Tu veux vraiment nous emmener? Monter dessus? À la... J'avais plus de nom, comme par hasard. Avatar. Aussi, non. Mais moi je pensais aussi à un peu Khaleesi, tu vois, Game of Thrones, c'est un dragon, quoi, tu vois, c'est... Ça ressemble pas vraiment. Ouais, c'est un dragon, c'est juste qu'il n'a pas d'écailles. Il a des plumes. Pour moi, c'était un gros oiseau. Ouais. C'est stylé. Carrément. Mais oui, ça fait vraiment Turok, Mukta, là, ou je sais pas quoi, dans le premier Avatar. Stylé un peu. Ouais, par contre. Mais j'adore. L'Empire est encore loin de pouvoir tout contrôler. Avec les petites cornes et tout. Ouais, sinon, moi, ça m'a fait penser un peu à Avatar aussi, ouais. Le délire, l'arbre, tu vois, l'oiseau dans l'arbre. Oui, ça, par contre, ouais, carrément. Ça, c'est pas faux. Mais on n'a pas besoin de se lier et de baiser avec l'animal en se connectant à eux, tu vois. Et, Bah, ça, c'est ça, là, parce que ouais. Quand tu regardes dans le film, c'est comme ça qu'ils se reproduisent. Enfin, ouais. Tu sais, ils font mimiser avec leur tige. Mais tu fais aussi ça avec les animaux, donc c'est chelou. La balade était sympa, c'est cool. Là, elle nous amène à l'endroit qu'on cherche. Et ensuite, il y a la grosse. Mais je pensais qu'elle arrivait avant moi. Tu vois. Attends. Tu trouves toujours des trucs? Paix et justice. Ok, c'était juste une amélioration de sabre laser. C'est tout? Ah, mais on s'en fout, on le laisse comme il est là. Bah oui, on va pas le remodifier un milliard de fois. Bah non, mais c'est pour ça. Vas-y, parti. Ouais, il nous a déposé. Appuie, oiseau. Allez, Cal, on se dépêche, s'il te plaît. On arrête de faire mimus. Voilà, c'est ça. Non, mais dis. Tu cherches un truc? Quoi, il y avait un truc à scanner? Oh. Mais non, c'est ça qu'on cherche. Voilà, on est venu pour ça. Voilà. Je l'ai trouvé. J'ai achevé ma quête. L'astrium. Utilisé il y a des millénaires par les sages et faux. Je tiens entre mes mains un morceau de l'histoire galactique. Je ne pourrai jamais suffisamment remercier Tarful. Sais-tu ce que cela veut dire, mon ami? Inutile de retourner sur Datomir. Oh non! L'obscurité nous empêchait de trouver l'astrium dans le tombeau de Couchette, mais la force... Il y a un astrium à Datomir, mais non, c'est bon, la force nous a ouvert une toute nouvelle voie. Voilà. Faut aller à Datomir, il y a un astrium. Il nous fallait un astrium. Voilà pourquoi maintenant on peut aller à Datomir.
pour aller chercher le fameux astrium. C'est ça. Après le pont, parce qu'on pouvait pas faire le double saut de merde. Et on va bientôt pouvoir revoir le vieux monsieur encapuchonné. Qui n'est peut-être pas si vieux que ça. Et potentiellement pas si gentil. Aïe, ça craque. Ouais, la bosse, elle est là. En bas. On est prêt? Ouais. Il vient t'aider, l'oiseau? Non. Enfin, à la base, il vient nous chercher, quoi. Pour repartir. Sauf que... Tchoum, 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 tchoum. Non. Il est pas mort, le piaf. Je t'ai retrouvé. Finissons-en une fois pour toutes. Je ne sais pas pourquoi la deuxième sœur te croit si important. Oh, mais ta gueule, les combats. Elle aime ses souvenirs, mais... Normalement, elle est quand même balèze. Je suis pas du genre nostalgique et franchement, tu n'en vaux pas la peine. Alors, finissons-en. Viens par ici, on n'a pas fini. Pathétique. Après avoir paré, enfin raté une seule parade, je pouvais pas parer une seule autre. Bédé, Steam. La genre là, tu vois, t'as pas voulu parer. Attends, j'ai plus sorti. J'ai rien senti. J'avoue que là... Apprends ta propre dégâts, quoi. Bah, c'est normal, hein, c'est un combat de boss. Et en plus, on n'a pas amélioré le... Jedi, il y a une différence. Je suis d'accord avec toi, ma grande. Ah, passe en mode phase 2. Ok. T'inquiète, t'as vu, moi aussi je l'ai. Aïe. Bédé, le steam, lance. Ouh. Mais relève-toi, connard. Steam BD. Wow.
C'est quand voilà tu pourquoi veux. En vrai je pense qu'il faut que j'évite d'être à distance. C'était rien du tout. Hors de question. BD, un steam, lance. Ok. Pathétique. Mais t'as vu que là j'ai pas pu parer un seul autre coup. Tu mourras comme un vulgaire rat. Ah ça me saoule. Je l'avais géré le combat, je crois que c'est comme une vachement. Encore plus facile que j'aurais cru. Je me la fais. Ah ça me saoule. Je tente et je suis mort. Petite pute. T'es mouru. Bah ouais. Alors que je l'avais. On va aller plus vite. Je viens de tourner. De la part avec David. Non, non, c'est parce qu'en fait, je la touche. Voilà. Et là, en fait, j'ai regagné mes points de force. Toi, BD. Ok, premier stim que je prends. C'est tout ce que tu sais faire? C'est un trophée. Être une inquisitrice m'a appris qu'aucun revers n'est trop grand. Quand on s'est perdu soi-même, un membre n'est rien. Tu sais, j'ai été un Jedi. J'aimerais beaucoup te capturer. Pour te voir craquer comme nous l'avons tous fait. T'es furieux. L'isolement te rendra foudrage, la torture, les mutilations. Et tous tes amis. Je te laisserai pas les approcher. Tu ne pourras jamais arrêter l'Empire. Je t'arrêterai toi. On vient de battre une inquisitrice. Ou pas. Bon, garde, attends. On croyait que t'étais mort. Ça a l'air d'aller. On doit rentrer. Grise et Serré nous attendent. Leur pompeuse, sinon.
Ouais, non, mais car. T'es un Jedi, il leur prend feu, t'es pas à l'éteindre, quoi. Ouais, bon. Non, c'est pas grave. Il est quelle heure? Est-ce qu'on a le temps de remonter au vaisseau ou pas ouais, du tout? Ouais, retourne au vaisseau, vas-y, puis après. Vas-y. Après, je bouffais mon repas de famille. N'empêche, le boss, la première fois, il m'a mis un peu dans le mal, mais la deuxième fois, je l'ai explosé. Tu l'as violé. Alors qu'elle était déjà en phase 2. Ouais. Elle avait pas qu'un seul sabre, elle avait déjà les deux sabres et tout. Ouais. Il y a deux points. Est-ce qu'on prend un truc? Le truc de double sabre? Zoom zoom. Vas-y. Comme ça, après, on refile au vaisseau. Ouais. Okay. Let's go. En plus, on est tout en bas, on a juste à faire le trajet. Regarde, tu vois, faut juste retourner tout ouais. Là. On prend pas les coffres, hein. Là, il y a des coffres, mais on s'en fout. On avance. Bah, c'est... On fera tout ça plus tard. Ouais, voilà, on reviendra. Oh, à part celui-là. Lui, il est là, devant, quand même. Par ici, BD. J'allais dire, lui, il est là, quoi, tu vois. Quand ils sont juste devant nous, comme ça. Autant prendre vite fait. Mais là, au moins, on retourne au vaisseau et cache que c'est fini. Ok, BD. Il nous restera qu'à aller à Datomir. Et à l'autre planète que je te parle, mais je me souviens plus c'est quoi le nom. On le saura en temps et en temps. Ouais. En plus, maintenant, on peut prendre les tiroirs à l'envers. Mais là, tu l'as. J'ai cru que je l'avais raté. Franchement, j'ai cru que je l'avais raté. Attends, il y a les trois stormtroopers avec le lance-roquette là. J'en peux plus. Vous l'avez vu aussi? Elle veut tout l'attaquer! Oh, heureusement que j'ai le double saut. Oh putain, j'ai cru que c'était plus proche que ça. Ah, c'était marrant quand même. Bon, je fais pas l'araignée, on l'esquive. Ouais. Ok. Je fais pas le lézard, là, ça aussi on s'en fout. Toi par contre. On ne fait jamais, on peut faire un petit peu. Merde. Enculé. Allez, on rentre. Je sais pas combien de trucs on a raté, mais on en a raté quelques-uns. Ouais, mais c'est pas grave, de toute façon, on va revenir avant la fin. Fin. Oh. Mais c'est un purge. Mais c'était un purge. Mais c'est une purge. Eh mais attends. Est-ce que ça peut pas me faire gagner beaucoup de... Bah oui, c'est le but. On va passer comme ça. Ah, en plus j'ai le double saut, je vais pouvoir choper le coffre là-bas. Tu sais, qui est inaccessible. Nickel. Ça a rien long. Bah ouais, mais c'est le temps qu'il arrive. Ça nous fait gagner du temps, mais ça prend du temps. Je croyais qu'il y a quelque chose qui était traîné par terre. Ouais. Bon, il y a de bonnes chances. Des cadavres, des caisses. Ouais. Il y a dû avoir un peu de tout. Des caisses avec des cadavres. Oui, dedans, ouais. En vrai, c'est carrément ça, quoi. Oh, mais je suis con. On a usé 2 points. Il fallait juste en garder un pour augmenter les dégâts du sabre. C'était à 3 points. Bah, on le fera la prochaine fois. J'ai trouvé la cible. C'est à moi que reviendra tout le mérite. Attends, j'ai dû l'envoyer dans les trucs. C'est fermé. J'ai plus de points de force. Ouais, c'est marrant. Ou de l'autre l'a tiré vers toi pour qu'il fonce dans les trucs. C'était pas obligatoirement le truc, mais. Hop là, voilà, comme ça on peut choper celui-là. Là. Et en vrai, après, on est bientôt déjà rentré. Il y avait quelque chose là-dedans. Tu peux pas vaincre l'Empire. On voit pas trop toujours ce qui se passe. Hein. Oh. Ah, j'ai juste de le capter moi aussi là. Mais qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose? Un cadavre? Bah ouais, un Wookie. Un Wookook. Ce Wookie est mort asphyxié. L'Empire contamine toute la planète. Oh là là, mon dieu. Ça sent pas les couilles. On s'en fout en vrai, on va pas se mentir. Mais non, ça sert à rien. On va pas se mentir.
quoi que cette musique est censée être? Parce qu'il y a des méchants. Oh, loulou! Dépêchons-nous de rentrer au poste pour rédiger notre rapport. Ouais, j'ai hâte de rédiger le rapport. Jedi ah. Repéré! Oui, Jedi repéré, je suis là. Je crois qu'il a peur! Chiant, le balance. C'est à moi que reviendra tout le mérite! Pas sûr. Je te lâcherai pas! Voilà, c'est ce que je disais, pas sûr. Alors, normalement. Ah non, faut que j'aille là par là. Faut juste. Comme ça, je prends l'ascenseur. Je fais pas le trajet à pied. Non, ouais. Je fais l'ascenseur, faut juste que je prenne là et que je monte. Attends, par où je monte là? Attends, est-ce que je me suis paniqué là? Paniqué. Lala. Ouais, bah ouais, non, mais en fait, je me suis niqué. Non, regarde, t'as un ascenseur là-bas. En fait, là faut que, regarde, t'as pas l'air d'avoir un petit chemin là. Tac, tac, faut que tu reprennes la corde, que tu tournes ouais, à gauche. Ouais, comme que ça, tu et puis que là, je prenne l'ascenseur pour monter là-haut. Et j'y suis. Ouais, ouais, ouais. Du coup, faut que je retourne par là-bas. Allez, tu reviens un petit peu sur tes pas. Ok. Flop, 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 flop. Flop. Flop, tac, et flop. Et là, à gauche. Et là, à gauche, dans le hall. Voilà, tac, et flop. Et là, ascenseur. Flop. Mais pourquoi est-ce qu'il y a... C'est qui, ça? C'est un boss? Non, dégage. Mais... Putain, ils sont deux. C'était un, okay. Marche, c'était un chasseur de primes. Ouais, là aussi, c'est la nuit pardonne pas. J'ai besoin d'un steam, BD. Sérieux. Oh non. Voilà, je vais pousser. Ah. J'ai connu pire. Pousse-le. Nulle part où aller. Putain! Bah ouais, mais il faut que je gagne des points de force, donc je l'attaque. Voyons ce que tu dis de ça. Mais t'es une merde, tu sais même pas jeter un truc, connard. Plap, 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 plap. La force. Force. Voilà. Ah mais je les scanne pas du coup. Oui mais s'en fout, ils sont vaincus. Oui mais ça donne des points d'XP de scanner. Oh. T'as eu un point d'XP, tu vas pas te plaindre. Ouais. T'as deux chasseurs de primes, connard. Ouais. J'ai envie de chocolat. Oh. Tu l'as dit, tiens. Bah ouais. Bah après, il y a des cookies, il y a des, tout ça, hein, chocolat. Enfin, oh, intéressant tout ça, que avant que je parte. Bah ouais. Là, de toute façon, on a pris l'ascenseur, après on arrive au vaisseau. Ouais, et après, il faut faire que vraiment je décolle, sinon je vais me faire massacrer. Non, ouais, ouais, t'inquiète. Putain, dire qu'on a presque... On a presque fini, mais putain. On fait chier. Pourtant, déjà, là, on a bien dormi. Voilà, on est arrivé au vaisseau. Je vais utiliser le checkpoint. Ou quoi que ça va peut-être lancer une cinématique. On fait la cinématique ? Vas-y. Vas-y. Cordova pense que la clé du sanctuaire est sur Datomir. T'as trouvé ton Wookiee ? Ouais. Mais là-bas, ça se présente mal. L'Empire est vraiment partout. Des inquisiteurs ? Eh bien, Trilla... La deuxième sœur, où qu'elle se trouve, elle est toujours à notre poursuite. J'ai vaincu la neuvième sœur. Pas de félicitations ? Cal, quand l'Empire m'a capturé, j'ai résisté. Je me disais que je préférais mourir plutôt que parler. Mais après, l'ombre est arrivée. C'était pire encore que tout ce que j'aurais pu imaginer. J'ai voulu résister. Mais j'ai fini par céder. Et j'ai livré Trilla. Je sais qu'il n'y a rien que je puisse faire pour réparer ça. Putain, il va rien de saler son truc à lui. Nous avons encore une chance de sauver les enfants de l'Holocron. Ok, écoutez. Sœur a évoqué ça le fait d'être inquisiteur comme si... Dommage, c'est mal foutu, ça gonfle pas, tu sais. Oui. La même chose qu'elle. Et vous êtes là, pourtant. Cal. Tout va bien, ça. On trouvera l'Holocron de Cordova. C'est débile, j'adore. Oh putain, et puis il le mange. Hé, hey, si
fiche la paix à mon assiette avec tes lasers. Ouais, c'est le seul que t'as mis, connard. Tu vas finir desséché. Imagine en l'entrouille tout sec. Faut mettre la grève. Ouais, ouais, c'est magnifique. Ah non, il en reste encore deux. C'est sûr que c'est pas l'arbre des origines, mais ça fait son effet. On en a mis deux. Ce que t'as fait avec les branches. On en avait deux à poser. Merci, petit gars. C'est très gentil. Ouais, tu vois, il nous en manque deux. Celle du milieu là, et celle là, qui est vu la lumière de celle des Datomia. C'est sûr et certain. Bon, je vais au checkpoint, même si au cas où il n'y a pas vraiment besoin, vu qu'on est au vaisseau, on parle pas à la meuf pour l'instant. Oui, mais vaut mieux. Et puis, on va pouvoir arrêter là, au moins là. Et puis, voilà. Il ne restera que Datomir à faire. Et après, finir de fouiller toutes les planètes. Si on veut le faire. Au prochain live, on a fini, quoi. Franchement, ouais. Même si Datomir, elle est quand même, y a quand même des trucs à faire, mais ouais. Vu que c'est une ligne droite. Puis, l'autre planète que je te dis, je comprends pas. Je me souviens plus c'est quoi le nom. Je crois que c'est Ilum ou un truc comme ça. Bah on va pouvoir couper, je vais poser la manette. On va pouvoir couper pour là. Et puis putain, bah c'est toujours pas aujourd'hui qu'on va pouvoir commencer le 2. Donc voilà. A bientôt pour la fin. La vraie fin. Ouais. Carrément. Putain de merde. Oh, punaise. Allez, let's go.